Ouais, celui-là, mon chéri. Ah ouais, il y en a beaucoup, tu vois, mais c'est pas comme ça. Mais en plus, je me suis. Ouais. Salut les frères. Salut. Au revoir, c'est parti. Aujourd'hui, mes amis, c'est la Hiloula de Rabbi Israël Cordonneur. Ce soir, c'est la Hiloula de Rabbi Israël Cordonneur. Check. Israël Choc. Et mes amis, c'est une journée. On commence à rentrer dans une lumière qui est énorme dans le monde. Et comme je l'ai dit Bidiouk l'année dernière, ça tombe toujours à la paracha de la semaine de Lech Lecha. Pour la première fois dans la Torah, ça va être la première fois de toute notre vie qu'on va lire la paracha de Lech Lecha. Parce que tous les jours, c'est un jour nouveau. Donc on va lire pour la première fois, on va découvrir ce Shabbat comment Avraham Avinu a découvert Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu l'a éprouvé. Comment Akadosh Baruch Hu l'a éprouvé, normalement c'est quelque chose, toujours je le dis, je le répète, parce que normalement quand un homme il se rapproche de Dieu ou il se rapproche de quelque chose, ou normalement on doit le recevoir avec grand bras ouverts, avec un grand sourire, avec comme on dit trifa la shechem, comment ça s'appelle quand on fait comme ça, une collade. Empathie. Ouais, avec de l'empathie, avec et là le pauvre Avraham Avinu, toute sa vie en entière, depuis l'âge de 3 ans qu'il est sorti de la grotte et qu'il a vu le monde et qu'il a vu la beauté de ce monde-ci et qu'il a dit où, c'est qui a créé cette beauté-là. Et Avraham Avinu a commencé à chercher c'est qui le créateur, juste 3 ans dès qu'il est sorti de sa grotte. Il a été ébloui du soleil, de la mer, des jusqu'à l'âge de 40 ans de recherche. À l'âge de 40 ans, il a découvert Hachem. C'est pas Hachem qui s'est découvert à lui, comme les gens y croient, c'est lui qui a découvert Hachem. Il a commencé à découvrir Hachem et il a commencé à servir Dieu. Et comment il a commencé à servir Dieu? Il a commencé à servir Dieu à créer des tentes à 4 portes, à les mettre un peu partout, à écrire Avraham, Eved Hachem, Avraham, serviteur de Dieu. Et toute personne qui rentrait, il avait de quoi manger, de quoi dormir, de quoi boire, de quoi se reposer, de quoi se laver les pieds. Et quand les personnes voulaient remercier la personne, Avraham Avinu, il disait « Ah non, surtout pas, c'est pas moi qui vous donne tout ça, c'est pas moi. » Alors il dit « C'est qui ?» Il dit « C'est le Tout-Puissant, Dieu. » « Mais c'est qui Tout-Puissant? C'est quelle idole que vous avez ?»« Ah non, aucune idole, c'est Dieu. C'est qui Dieu ?» Et là, il commençait à faire de la fatza. Il avait beaucoup d'argent. Apparemment, Avraham Avinu avait beaucoup d'argent. Parce que. Il y a marqué que celui qui ne voulait pas recevoir cette parole-là, il était. De base, il faut que tu comprennes que Noir, c'est l'ancêtre. L'ancêtre préféré, c'est Shem, après Noir, son fils Shem. Shem est vert. Ever, toutes les descendants, jusqu'à Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est comme l'héritier son sang il était propre, ça veut dire tout le monde connaissait Avraham Avinu. Avraham Avinu c'était un homme que tout le monde connaissait, c'est la lignée la plus propre après les autres. Il a pris la chaise de Paro aussi avec Sarah. Il a pris la chaise de la Paro, richesse. Ah aussi, ça c'est après, là on est au tout début, mais là au tout début je te parle, au tout début il avait de la richesse, il avait du troupeau, il avait de la bracha, il était riche Avraham Avinu. Il était riche, Avraham Yitzhak il était riche, Yaakov ils étaient riches. Moshe il était en haut partout avec à manger, ouais. À boire. Ouais. Nahon. Mais à l'époque la richesse c'était des bétails. Ça veut dire c'est direct, tu comprends? C'est, il avait de la bracha dans ce qu'il avait. Donc il mettait des. Akadosh Baruch Hu il a dit j'aime ça. J'ai vraiment. C'est vraiment l'image du premier juif, il a dit Hachem. De faire du chesed. Le chesed. De la bonté. La bonté, c'est quoi une bonté, mes amis? Non. Mais attends, excuse-moi, j'ai une question. Est-ce que Hachem, il a choisi Avraham parce qu'Avraham, il était comme ça? Ou alors, est-ce qu'Avraham, depuis le début, depuis sa naissance, c'est lui qui était choisi? Non. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il voulait commencer par Adam Arishon. Il a attendu, rien ne s'est passé. Il a vu Noir, il a dit, ah, c'est lui. Quand il n'a pas prié pour les autres, il a dit, c'est pas lui.
10 générations, il n'en pouvait plus, Hachem, il part. Parce que moi, parfois, je vois, c'est vrai que c'est des très grands, mais c'est, si c'est Hachem qui les a mis là depuis le début, parce qu'il avait besoin d'eux, non. C'est vraiment... Il a choisi lui parce qu'il l'a vu comme ça. Il est devenu comme ça. Il est mamage devenu comme ça. Il était comme ça, il cherchait que du chesed. Maintenant, c'est quoi le chesed, mes amis? C'est quoi le chesed? Le chesed, c'est quand, par exemple, j'ai pas et je te demande, je fais un déménagement. Tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Et là, tu viens m'aider. C'est du chesed, ça? Oui. Non. Hein? C'est pas du chesed. C'est la tzedaka. C'est la tzedaka. C'est quoi du chesed? C'est d'aller l'aider sans demander? Non. C'est de réfléchir, à comprendre, à essayer de voir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a besoin. Ah, sans dire te demander. Alors Abraham Avinu, dans le Midrash, il raconte, il y avait des tentes, et il mettait des tentes toujours en bas des arbres, pour que les gens ne puissent ne pas souffrir du soleil. Ah, le Midrash, il raconte une série de choses qu'Abraham Avinu, il a fait, que tu deviens fou, tu te dis, mais comment il a pensé à tout ça? Il était toujours à côté d'une rivière pour que les gens qui veulent se rafraîchir, ils puissent se rafraîchir. Il donnait du manger toujours pas gros, comment on dit, pas consistant. Pourquoi? Parce que c'était dans le désert. Et si tu es rempli, c'est pas bien, tu te sens pas bien. Il y avait des heures spéciales qu'il donnait du manger. Le soir, il donnait pour que tu puisses dormir. Il voulait que tu dors, donc il te préparait déjà ton lit, etc. C'était une vraie organisation qu'Abraham Avinu, il avait préparé, créé, fondé, etc. Et ça, il aime Hachem quand même comme ça. Il tombait amoureux de lui, Hakadosh Baruch Hu. Il a dit, c'est lui qui va être le premier juif. Où a été créé le Beit HaMikdash? Vous vous rappelez l'histoire du Beit HaMikdash, comment, où elle a été créée? Non. Comment, pourquoi le Beit HaMikdash, le Kotel, c'est là-bas? Pourquoi? C'est de là qu'il y a les deux frères. Oui, mais... Il y a l'eau, il y a la source d'eau qui est sortie. Ok, mais pourquoi le Beit HaMikdash là-bas? Il y a aussi des autres choses. L'histoire des deux frères. Hein. Les deux frères. C'est quoi les deux frères? C'est le papa qui est mort et qui a laissé l'héritage. Aux enfants. 50-50. Un qui était marié, un qui n'était pas marié. Et le mec, quand il rentre chez lui à la maison, le mec marié avec 5 enfants, il dit, comment c'est possible qu'on a reçu 50-50, moi et mon frère? Moi, je suis marié. J'ai déjà une maison. J'ai déjà un travail. Mon frère, il n'est pas marié. Il n'a pas de maison, il n'a pas de travail. C'est lui qui doit recevoir la plus grande part. C'est moi, j'ai pas de frais. Non, eh ben non, il a dit l'inverse. Il a dit, le pauvre, lui, il n'a encore rien. Donc, c'est lui qui doit recevoir la part. Alors, la nuit, il s'est réveillé. Et il lui a donné encore 20%. Hop! C'est qui qui est en bas sur le trottoir? Moi. Elle va sauter pour moi. David Ben-Hush. Alors, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Le frère, il rentre chez lui à la maison, le deuxième. Le célibataire. Et le célibataire, il dit, comment c'est possible que j'ai reçu 50-50? Moi, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de truc à payer. Le pauvre mon frère, il a 4-5 enfants, il a une maison, un truc. Et il se réveille la nuit, et il lui rapporte 20 ou 30% du... Le matin, il se réveille, il voit le butin est pareil. Ils comprennent pas. Alors la nuit, il se réveille pareil. Et toutes les nuits, comme ça, jusqu'à qu'une nuit, ils se sont revus. Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est là où je vais construire le Beit HaMikdash. Là. C'était quand cette histoire? À l'époque. Après Moshe Rabbeinu. Je sais pas. C'est pas important. C'est passé là-bas, c'est Kadosh là-bas. C'est beau. Ça veut dire que c'est avant Abraham Avinu. Non, pas avant Abraham Avinu. Il réfléchit la même chose. Il lui ramène. Le matin, il voit le même truc. Ils comprennent pas. Alors, ils refont la même nuit. Jusqu'à qu'ils se sont revus. À quel moment il a dit c'est là où. Les deux, ils devaient penser que c'était Hachem qui l'a envoyé, non? Je sais pas. Mais tu comprends le Inyan, comment il est important du Chesed. Le Chesed, c'est de faire du bien. Alors, comment on découvre un juif? Il faut qu'on ait cette qualité-là. Quand on doit se marier, on doit chercher cette qualité-là. Pour voir si elle a le Chesed. Le Chesed, c'est une qualité que tu sais que c'est le fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que c'était ça leur...
Bekitsour, mes amis, il y a plusieurs sortes de chesed. Il y a aussi Torah chesed, c'est de faire du chesed avec la Torah. C'est le plus haut niveau de Torah. C'est-à-dire de enseigner la Torah, de faire comprendre le vrai sechel de la Torah. Ce que Rabbeinu il a fait avec nous, qui nous a donné espoir à étudier à la Torah. Parce que nous tous, si on se voit sans Rabbi Nachman, on n'existe pas. On est encore à Paris en train de faire des combines et d'arnaquer à droite à gauche. Et on n'y pense pas à Kadosh Baruch Hu que de temps en temps quand on a des problèmes. C'est tout. Rabbeinu, il a fait en sorte que Hachem, il devient quelque chose d'important pour nous tous les jours, du jour en jour. Mais qui sont mes amis, Avraham Avinu, son travail depuis l'âge de 40 ans jusqu'à l'âge de 75 ans, c'est-à-dire presque 30 ans, 35 ans, eh bien, Avraham Avinu faisait le travail de la Fatsa, la diffusion des livres, les diffusions de Hachem. Et il en a passé, le pauvre. Il en a passé, Avraham Avinu. Il y avait à l'époque le roi du monde, c'était Nimrod. Il était un homme très fort, très, très, très fort. Et Nimrod, il avait l'habit de Adam Arishon. Oui. C'était l'habit magique. Il tirait une flèche. Là où il voulait que ça arrive, ça arrivait. Et comme ça, il chassait le monde et il gagnait des guerres. Il est devenu le roi du monde. Nimrod, il a entendu qu'Avraham Avinu commence à dire des nouvelles choses que jamais ils ont entendues. Il l'a attrapé. Est-ce qu'il se prenait pour le jeu, lui, Nimrod ? Aussi, mais pas d'Afka. C'est lui qui a créé la Tour de Babel et à la fin, il est vraiment dans cette histoire. C'était lui qui était à l'époque à Babel. C'était lui qui était l'instigateur de la Tour de Babel. Si, peut-être qu'il est mort après. Mais c'est après, ça. Il est pas. Mais si, parce qu'il y a le combat des 4 rois. Ça aussi, c'était après. Les 4 contre 3. Ça, c'était avant Babel. Les 4. C'était avant. Non, Abraham, c'est après Babel. Avant, il était combattre les 4 rois. Ouais. C'était après Babel. C'est après la tour de Babel. Et alors la question c'est quoi? La question c'est quoi? C'est que tu parles de. Ils sont pas tous forcés pour faire la tour de Babel. D'accord. Ouais. Mais lui, la question c'est comment il a pu construire la tour de Babel? Il était à l'époque de Noir, il est pas mort à la tour de Babel. Nimrod n'était pas à l'époque de Noir? Comment vous dites que Nimrod était à l'époque de Noir? À la fin de la parasha de Noir, il y a. Non, à la fin de la parasha de Noir. C'est descendant de Khan. Ouais, et alors? Mais je comprends pas la question. Mais il a vécu beaucoup de temps. Il est pas mort d'Afka, il est pas obligé. Il est mort. Il a 100 ans, il a 800 ans à l'époque. Ça a pu nous donner les choses, il faudrait voir ça dans le truc, mais Kitsou. Ce qui se passe, mes amis, c'est que Nimrod, donc, il n'a pas pu supporter qu'on parle des nouvelles choses. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Nimrod? Il a construit un cachot en énorme, de feu. Il a fait un feu de une semaine. Un feu qui brûle une semaine. Quand un feu, il brûle une semaine, un feu qui est fort, qui brûle une semaine, il crée, il se multiplie dans sa force. Et après, c'est très difficile de l'éteindre. Et il a mis là-bas, il a voulu faire rentrer Avraham Avinu. Il a dit, si ton Dieu, c'est le plus grand, et bien... Ouais. Et là, ça a été le premier Nisayon d'Avraham Avinu. Comment Akadosh Baruch Hu a reçu Avraham Avinu en se rapprochant de lui, au lieu de lui dire merci, de lui donner un bon billet, de lui faire avoir des enfants, etc. C'est quoi qu'il lui fait? Tu rentres au feu. Et combien de temps il est resté là-bas? Il paraît que c'était une heure. Dans le feu. Il restait pendant une semaine dans le feu, Avraham Avinu. Pourquoi? Qui lui a demandé d'aller dans le feu? Une semaine. Qui lui a demandé d'aller dans le feu? Nimrod. Il a forcé, il a voulu le tuer. Sans souffrance en vrai. Pourquoi sans souffrance? Ah, il a souffert pendant la semaine. Ah non, lui il était sans souffrance. Ah, son frère il est... Mais Aran il est parti tout de suite, son frère. Ouais. Son frère il est parti tout de suite. Mais Avraham Avinu. C'est Emet Lamito. Oui, il y a même écrit que ses habits n'ont pas brûlé. Parce que Daniel, quand on l'a fait rentrer dans le feu, lui aussi il était pendant là-bas, lui, ses habits, ils ont été brûlés. Leur habit à eux. Leur corps, non, mais les habits, oui. Avraham Avinu, même ses habits. C'est qui Daniel? Non, Daniel, à la fin, il y a Daniel, plus tard. Ouais, le prophète Daniel, Hanania, Michel, Azaria, le roi de Perse. Il a fait faire rentrer les trois d'abord avec un cachot avec des lions. Et après, dans le feu. Dans le feu, il y a écrit là-bas que eux, leurs habits, ils ont été brûlés. Mais Avraham Avinu, même ses habits, ils n'ont pas été brûlés. Parce que Hachem, il fait un S pour Avraham, donc normalement, ses habits devraient être cramés. Avraham Avinu, il était tellement amoureux d'Avraham Avinu, que tout est parfait chez Avraham Avinu. Il n'y a rien qu'on bouge. Ni les cheveux, ni les sourcils, ni les lunettes, rien du tout. Rien n'a brûlé. Tout ce qui est sur Avraham Avinu, c'est...
Même la montre, tout. Il y avait tout, rien à brûler. Mais qu'ils sont mes amis. Et voilà qu'Avraham Avinu, il a passé d'épreuve en épreuve, d'épreuve en épreuve. Et là, il arrive la troisième épreuve. La troisième épreuve, on commence par la troisième épreuve. L'épreuve la plus importante, c'est l'Ech Lecha. Pars de chez toi. Dans la Torah, il y a écrit... Alors, avant que je parle de tout ça, mes amis, je voudrais avec vous étudier un petit commencement d'une Torah, la Torah numéro 7 du Likutei Moharan, qui parle sur notre paracha. Mais ce qu'on va voir, l'embellie qu'on va voir ce soir, c'est que tout ce que Rabbeinu nous a enseigné dans ce qu'on va étudier ce soir, il est écrit dans la Torah elle-même, et c'est Dieu qui dit à Avraham Avinu, fais comme ça et comme ça et comme ça, parce que c'est écrit comme ça dans Likutei Moharan. Alors d'abord, il faut étudier le Likutei Moharan, la Torah numéro 7. Et là, mes amis, on va parler de quelque chose, qu'il y a un problème. Vous savez, c'est quoi le problème? C'est que ce que je vais vous dire, il y aura tout de suite un Yetzer Hara qui va venir dans votre cerveau et qui va dire, ouais, je connais. Et dès que ce Yetzer Hara va passer, tu vas rater. Tu ne vas pas comprendre le vrai message que Rabbeinu voulait. Alors, comment on fait? Comment on fait? Soyez des gens comme si c'est la première fois que vous entendez ça et ne croyez pas que vous comprenez ce que je vais vous dire. Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas ce que c'est ce que je vais vous dire. Même si vous croyez que oui, vous ne le savez pas. D'accord, mes amis? Un jour, Rabbi Nachman de Breslev, à son époque, quand il était jeune, au tout début que Rabbi Nathan, il s'est rapproché, donc Rabbeinu avait à peu près 32 ans, 30 ans, un jour, le Baal Shem Tov, il vient, il se dévoile à Rabbeinu. Après qu'il est mort, bien sûr. Le Baal Shem Tov se dévoile à Rabbeinu et il lui dit quoi? Il lui dit, quand on endommage Eretz Israël, on tombe de la Emouna. Rabbeinu, il a entendu ça et il a créé la Torah 7. Toute la Torah 7, c'est une explication à ce que le Baal Shem Tov a dit. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah numéro 7? Alors il dit Rabbi Nachman de Breslev, Da, sache. Vous savez, qu'est-ce que c'est quand il y a écrit Da? Ça veut dire que Rabbeinu, il le reçoit du monde le plus haut, d'en haut. Chaque fois qu'il y a écrit Da, dans l'écoutez-moi. Da. Alors écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman, qui Icar à Galout, toute la raison pour laquelle il y a de l'exil, Eno est là, ce n'est pas que pour Chesaron Emouna, à cause d'un manque de Emouna. Je l'explique. C'est quoi exil d'abord? C'est quoi un exil? C'est Chutz Laaretz? Non. Être en dehors de chez soi? Plus. Exil spirituel? Non. C'est quoi exil? Être en dehors de chez soi. C'est-à-dire? D'être envoyé. Réfugié. Réfugié. En dehors de chez toi, ça peut être aussi quand ta tête ne va pas bien. Ouais. Quand quelqu'un il t'a dit un truc et que ça t'a... Hein, t'es en galoute, ouais. D'accord? Galoute, c'est quoi, mes amis? T'es pas au bout du chemin. T'es pas à ta place. Pas à ta place. Tu te sens pas bien. Il y a un truc qui t'a dérangé. Ça peut être même un manger que t'as mangé aussi. Ouais. Ça peut être tout. C'est une galoute. Ouais. C'est une sorte de galoute, d'accord? Donc il y a la galoute normale. C'est quoi la galoute normale? D'accord. Quand t'habites en dehors d'Eretz Israël, en Chutz Laaretz, d'accord? Mais eux, ils vont dire, je suis dans ma Géoula, moi. J'ai ma maison, le pavillon à 5 millions de dollars, la piscine, la femme, la truc. Alors lui, il est en... Attends, il est en galoute de galoute. Comme Astara chez Betoch Astara, il y a aussi galoute chez Bagaloute. Il ne sait même pas qu'il est en galoute, le mec. Laisse tomber. Mais maintenant, il y a des gens... Maintenant, tu peux être en Eretz Israël et aussi en galoute. Quand t'as pas ce qu'il faut, quand t'es pas à ta place, quand tu étudies là où t'as pas envie d'étudier, quand tu travailles là où tu veux pas travailler, ainsi de suite, t'es en galoute. C'est quoi une galoute? D'accord, t'es marié avec une femme, et vous avez des problèmes avec cette femme. Le monsieur, il a des problèmes, Ras Meshalom, avec sa femme. Il est en galoute, le monsieur. C'est pire que ça. Ça la Gemara dit, c'est Guéhinom. C'est pas la galoute, c'est le Guéhinom. Et la preuve, c'est qu'après 120 ans, il aura pas de Guéhinom. Celui que sa femme lui a... Ouais, mais bon, ne croyez pas que chacun... Là, on parle vraiment d'un vrai cas, qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Je sais pas, mais voilà que ça existe, mais bon, laisse tomber. Maintenant, mes amis, qu'est-ce qui se passe?
Là, il faut bien comprendre ce concept, parce que si on comprend bien ça, on peut comprendre le conseil de Rabbeinu, mes amis. Et si vous voulez savoir quelque chose, à mes yeux, moi je crois que ça, ça fait partie des ikronotes, comme on dit, des essentiels de Rabbeinu. Ça veut dire, c'est si tu comprends ça, dans ta vie, tu vas vivre beaucoup mieux, beaucoup plus en lâchant l'affaire prise. On se prend trop la tête. Rabbeinu, il dit encore une fois, rappelez-vous, pourquoi ça existe, l'exil? Pourquoi il y a de l'exil? À cause d'un manque d'émouna. Ça veut dire quoi, d'après notre explication? Pourquoi on souffre? Même pas souffrir. Pourquoi on ne se sent pas à sa place? Pourquoi je suis dérangé? Pourquoi il y a des choses qui m'intriguent? Pourquoi des fois je me sens pas bien? Tout ce genre de trucs là. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que tu crois pas. Manque de émouna. Mot à mot, c'est très important parce que ne crois pas, c'est... Là, c'est... là, tu as la émouna, mais il t'en manque. Tu sais, d'avoir la émouna, on l'a tous, Yaakov. On a des juifs, on a la Brit Mila, on dit Shema Israël, on fait la Bracha, on a de la émouna. Mais Rabbeinu, il dit, moi, c'est pas cette émouna que je veux. Ça, c'est de la émouna à 2,50 francs. Quand tu vas à la Macolette, tu peux rien acheter avec 2,50 francs. Moi, je veux que tu aies 100 000 pour que quand tu rentres dans la Macolette, tu peux t'acheter ce que tu veux. Rabbeinu, il dit, vous avez tous de la émouna. Mais moi, je me contente pas de cette émouna-là. Moi, je veux que vous dégoulinez de émouna. Que ça explose de tous les côtés. La émouna, c'est infini, la émouna. Jusqu'à devenir fou dans la émouna. Rabbeinu, il dit, à chaque fois que tu tombes, comment on dit, le degré en volume, à chaque fois que le degré il descend dans la émouna, il y a une petite pincette de problème. Donc venez, on le fait à l'envers. Plus tu te renforces dans la émouna, moins t'as de problème. Vous y croyez à ça? Non, parce que plus t'as de la émouna, plus tu t'es éprouvé. Non, mais quand je vous dis vous croyez à ça, vous... Mais est-ce que vous voudrez à croire à ça? Parce qu'il y a des gens qui se disent... Moi, je crois pas. Voilà. Moi, mon rave, il m'a appris que le brit, c'est le plus important. L'autre, veut dire, mon rave, il m'a appris que Shabbat, c'est le plus important. Je sais pas, il y a plein d'autres choses. Alors, peut-être oui, peut-être non. Non, mais en vérité, parce que quand t'as la Emouna, t'as toujours les mêmes problèmes. Mais seulement, tu les prends pas de la même façon. Exactement. C'est là que ça change les problèmes. Non, alors. C'est là que les problèmes, c'est plus les problèmes. C'est ça la vérité. Mais si tu fais pas la Ishtadlut dans les maasim, c'est pas rien changé. T'as les mêmes problèmes, parce que tu les vois pas différemment. La Emouna. Elle arrive à te faire rentrer. Si tu me dis que c'est juste une vision des choses, ouais. ça vaut pas la peine. Non, ça a été c'est pas une vision des choses. Façon de vivre la chose. Ça a été fait exprès pour mon bien. Non. C'est pas de la même façon. Ça c'est un niveau qui est très bas, ça. Les pensées qui viennent te perturber. Si tu les arranges. Non mais dis-moi la émouna dont tu parles, Nathan. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que ça, des mauvaises pensées, ça vient d'extérieur. La émouna, tu l'as en toi-même. Les problèmes, ça vient d'extérieur. Tu dois toute la raison pour laquelle il y a des problèmes. Ça, si t'as la émouna, t'es à ta place. Ouais. Vous lui direz que même si tu te sens. Non, c'est pas que t'es à ta place. C'est que le monde t'appartient. Même si t'es en galoute physique. Si quelqu'un il est pas en Israël, il est en galoute. Eh ben, Bémet les Amito, tu dois monter en Eretz Israël. Dans tous les cas, tu dois monter. C'est-à-dire quoi, un homme qui habite en... Tu peux pas habiter en Khoutz Laretz. Un homme qui est en... Chaque homme qui est en dehors d'Israël, il a un monde des monas, ça veut dire. Bêta, c'est ça qu'on va parler. Donc notre Inyan à nous qu'on va dire, d'abord déjà, c'est quoi le Inyan? C'est que Rabbeinu nous apprend quelque chose. C'est que Emouna égale... Israël. Non. Emouna égale à... Mise en place, dans l'ordre. Nahat. C'est-à-dire... Apaisement. Sérénité. Apaisement, sérénité. Un homme qui a sa place. Tu sais, les vieux qui ont leur maison, ça fait 60 ans. Quand ils s'assoivent dans leur fauteuil, ils sont... En même temps, il n'a besoin de rien, vieux. Il a besoin de rien. Maintenant, tu ouvres le frigidaire, il n'a rien, le mec. Il a juste un petit café. Mais il est là, il a tout. Il vit avec les mêmes rideaux, le même lit, le même truc d'il y a 100 ans, mais il est très content. Ouais, mais qu'est-ce qu'il va faire sinon? Non. Paris, il va pas aller partir à... Mais non, un homme qui râle, il râle tout le temps, il peut râler, il râle pas. Il est satisfait de son sort. Oui, mais c'est vrai. Mais vadaille. Maintenant, alors, mes amis, moi, je veux qu'on parle de ce point.
Parce que ce point-là, il est très important. Il faut le mettre dans la vie. Il faut vraiment le mettre dans la vie. Un homme qui a un problème dans son travail, c'est un truc qui est venu, on lui a dit quelque chose, bam, ça le perturbe. Ça le perturbe. Il est là, il pense à ça, il pense à ça, il pense à ça, comment je vais faire, comment ça va s'arranger, qu'est-ce que je dois faire pour, etc., etc. Là, Rabbeinu, il te dit, tu sais ce qui se passe ? Tu es rentré dans un sable mouvant et tu es en train de t'affoler. Et tu sais que quand on rentre dans un sable mouvant et qu'on s'affole, c'est là où tu rentres. Tu t'enfonces. Et il y a un moment où tu vas vite t'affoler, tu vas t'affoler comment ? Qu'est-ce que je vais faire ? Il va appeler les trucs. Il s'en fout et dès qu'il a une voix qu'il ne peut rien faire, il ne peut plus sortir parce qu'il est fou, il est enfoncé. Et là, il ne peut plus bouger. Qu'est-ce qui se passe dans le sable mouvant ? Le sable mouvant, c'est du sable avec de l'eau. D'accord ? Quand tu rentres dedans, l'eau, il sort. Donc, dès que l'eau, il sort et que tu es dedans, le sable devient très dur, c'est comme du ciment, et tu ne peux pas bouger. Quand un homme, il s'affole avec des problèmes de ce monde, quoi que ce soit comme problème, au début, le problème, il n'est pas aussi fort que tu le crois. Petit à petit, il commence à devenir fort. Toi, tu vas essayer de bouger ciel et terre, mais plus tu bouges ciel et terre, plus le problème il s'endurcit jusqu'à un moment, plus rien à faire, on ne peut plus rien faire. Ben mec, on ne peut plus rien faire. Mais c'est à cause de qui ? De toi. Écoute bien ce que je vais dire, David. Rabbi Nathan il dit sur cette Torah que le commencement de chaque problème, il est petit en vérité. De chaque problème. Chaque problème mondial, il est petit. C'est qu'après que le problème, il devient un vrai problème. Donc, pourquoi ? C'est la Emouna. Il dit, Rabbi, nous, ça fonctionne comme ça. Si au début du problème, tu mets vite la petite pincette d'Emouna, le problème, il commence à devenir tout petit. Il n'y a plus rien, tu l'as éclaté. Tu sais, c'est comme le produit mais de... c'est quoi, tu le rends gros le problème ou le problème devient... Non, là, le problème, il devient vraiment gros. C'est quoi, c'est... Non, c'est toi. Plus tu t'affoles, plus devient gros. Il est de... Mais il est BMF gros, il devient gros. Parce que manque d'Emouna. Parce que moi et pas HM, manque d'Emouna. Ah, tu peux arranger des problèmes ? Je te laisse. Et là, mon frère, et là, tu t'en sors plus. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Non, c'est pas la vision, alors. Hein, c'est pas la vision ! Le problème, il est vraiment gros. C'est le Emet ! Le problème, il est vraiment gros, mais moi, tout est dans les mains de Dieu. Non, il y a deux schlavim. Le problème, il n'a pas encore démarré. Au début, c'est un problème normal. C'est quoi un problème normal ? Bon, je vais m'arranger. Tu peux t'arranger, un truc n'est pas venu en son temps, j'ai pas ici ce qu'il faut, un petit problème. Non, ou même s'il est gros à la base, si tu mets la Emouna tout de suite, il s'évapore. Alors là, t'as deux solutions. Ou alors de rentrer dans l'histoire du problème et de laisser tout à ta propre main et c'est fini, ou alors avoir la Emouna. Mais vous avez pas compris là. Quand ça veut dire quoi de rien faire ? T'es obligé d'avoir une salut dans l'action, même quand t'as la Emouna. Ouais. Non. Là, attends, je vais m'expliquer. On parlait, quoi. Je vais m'expliquer. Ça veut dire quoi de rien faire ? Ça veut dire pas de rien faire, rien faire. Non, ça veut dire attendre. Nafran, je vais m'expliquer. Juste d'abord, il faut que j'explique ça veut dire quoi la Emouna ? C'est-à-dire quoi la Emouna ? La Emouna que le problème il est pas grand et que Dieu va m'aider ? Hein ? C'est de ça qu'on a parlé ? Que ça a été fait pour mon bien. Pas du tout ! Alors quoi ? Pas du tout, les amis ! La Emouna dans le tzaddik pour ton avodat Hashem, on parle pas du tout du problème. Le problème, il est zéro, le problème. Là, je parle de la Emouna propre que tu dois avoir avec Hashem. On parle pas du problème. Un ne tient pas l'autre. Tu comprends ? C'est pour ça que c'est pas ça. Le problème, tu dois l'arranger. Ce qu'il faut faire. Tu dois appeler les gens qu'il faut appeler. On s'en fout. Le problème, ok, j'ai un problème, il faut que je m'arrange. Mais pourquoi Hachem t'a envoyé ce problème ? Aucun rapport au problème ! C'est parce qu'il te manque de la Emouna dans ta prière que quand tu pries, tu crois pas à Hachem. C'est pas dans le problème que tu dois faire entrer la Emouna. Mais laisse tomber ! Il y a même pas un bout de fil. Dans quoi tu vas trouver où il faut réparer dans la prière ? Ah ! Dans quoi ? Pour nous, c'est très facile. C'est pour les tzadikim que c'était difficile de trouver où j'ai pas des mounas. Crois-moi que pour nous, et ce que tu prendras, ça sera bien. Bah oui, puisque c'est ça. Bah oui. Donc ce que tu trouveras ou tu te renforceras, mais c'est aucun rapport au problème. Aucun rapport au problème. Le monde, il veut expliquer que c'est en rapport au problème.
Ah, le problème, t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, il va t'aider, il se cache derrière ça, quelque chose. Rabbeinu, il dit, Tazov, laisse tomber, mon frère. Ce monde, il vaut pas. Ce monde, c'est du passage. C'est une mouche. La Gemara, elle dit, ce monde, c'est une ombre. Une ombre. C'est une ombre. Elle n'existe même pas, c'est une ombre. Donc, quand Hachem, il t'envoie ça, c'est pas qu'Hachem, il t'envoie ça. Le fait est que t'es pas à ta place. Je vais vous donner un petit exemple. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on a expliqué que le matin, la prière de Shacharit, elle est grande. Il y a les Korbanot, il y a les Brachot, il y a les Ketoret. Après, il y a Odu. Après Odu, il y a les Psouké des Imra. Après, il y a le Yotzeror. Après, il y a la Amida. Après, il y a la Chazara de la Amida. Après, il y a Tachanounim. Après, il y a Ashre Uva Letziot. Tfila les David. Tfilat Mincha, c'est Korbanot Ashre, Amida, fini. Arvit, les Brachot avant, Kriat Shema. Amida, et c'est fini. Makara, pourquoi Shacharit, elle est le plus long? Alors, il y a une explication qui dit que comme l'homme, il se réveille le matin, et que le Emet, la Amito, la vraie vérité, c'est qu'en fait, tu nais chaque matin. C'est pas que tu te réveilles, c'est que tu nais chaque matin. Alors la Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit quand il y a un nourrisson qui naît, il faut tout de suite lui donner toutes les vitamines qu'il a besoin, le faire le chrissoun, le truc. Comme un bébé, quand il naît, tout de suite, on le prend et on commence à lui faire tout. En fait, la prière de Shacharit le matin, c'est toutes les vitamines que tu as besoin, c'est tout ce que tu as besoin pour toute ta journée. Un homme qui prie Shacharit le matin dès le début jusqu'à la fin, il faut qu'il sache qu'il est béton armé en muscles spirituels et qu'il n'a aucun problème de passer des étapes et des étapes spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il a tout ce qu'il faut. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que quand tu as tout ce que tu as besoin en force, après c'est fini. Mais maintenant, imagine-toi, je donne un exemple, hein, Stam, un exemple. Imagine-toi maintenant, les Ketoret le matin, c'est une Ségoula pour la Simcha. Celui qui lit les Ketoret le matin, il sera Bessimcha toute la journée. D'accord? Alors maintenant, le monsieur... C'est Parnassa aussi. C'est aussi Parnassa. Il faut leur dire, parce que j'aime bien. Et c'est la Shanara, ça répare. La Shanara aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a trois Ketoret. Il y a le matin, avant la Tfila, à Kavé, et après, Mincha. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que un homme, il a lu tout Shacharit, mais il a oublié les Ketoret. Et il se dit, voilà, bon, ça va, j'ai pas fait les Ketoret, mais j'ai tout fait. Et dans la journée, il se passe des trucs, il s'énerve, mais comment c'est possible, etc. Mais c'était juste. C'est pas Hachem qui te l'a fait. Un n'a pas un lien avec un autre. T'as pas pris le cachet de la Simcha, tu peux pas être Simcha, mon frère. Rabbeinu, il dit la même chose dans la Emouna. Il dit quoi, Rabbeinu, dans la Emouna? Il dit la Emouna, Rabbeinu, il dit, c'est la seule chose. Vous savez que Rabbeinu, il tolérait tout. C'était le plus grand tolérant du monde. Tu venais, tu lui disais, j'ai fait ça. Rabbeinu, il disait, ne t'inquiète pas, ri, chazak, et chazatzmera, sois fort, sois courageux, t'inquiète pas, avance. C'était le plus grand tolérant, Rabbeinu. Mais il y a une chose où je ne suis pas tolérant. Alors là, il dit, Rabbeinu, je ne veux entendre aucune excuse. Aucune excuse, parce que ça ne demande pas d'effort, ça ne demande pas de sechel, ça ne demande rien. Emouna, croyez, il a dit d'abord, croyez en moi, que j'ai de la force de vous aider. C'est la première chose. Deuxièmement, croyez à mes conseils, croyez à la Torah, croyez à Hachem, croyez à la Vodat Hachem, croyez à mes paroles que je vous dis. J'ai ouvert des chemins dans le monde, que ces chemins, c'est des nouveaux chemins pour tracer, arriver dans des mondes qui sont énormes, pour atteindre Akadosh Baruch Hu, pour prier une belle prière, pour faire Hatzot, pour faire Mikveh, pour faire Igbo des doutes. Vous savez, on a pour but, on est venu dans ce monde pour but à faire Igbo des doutes une heure par jour. Normalement, on doit tous se voir à peu près l'âge de 50 ans. Ah, j'ai mon heure Igbo des doutes, salut les gars, bye. Mais si on ne se voit pas, même dans 50 ans, jamais on le fera. Alors aujourd'hui, c'est dur, pas de problème. Mais demain, et dans un an, alors dans 10 ans, au moins, voyez, reprojetez-vous dans 10 ans comme des vrais tzadikim, parce que c'est pour ça qu'on est venu dans ce monde-ci. Pourquoi on n'y pense même pas? C'est ça notre problème. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabbeinu, il dit, il y a une chose où ça, je le demande de tout le monde. C'est Emouna. Emouna, pas d'excuse pour la Emouna. Et c'est pour ça que Rabbeinu nous renforce dans des points de Emouna. C'est quoi les points d'Emouna? Regardez que les bonnes choses. Croyez que Akadosh Baruch Hu, il vous aime, il vous adore et vous êtes leur préféré.
même que vous avez fait les plus grands péchés, ça ne dépend pas. Et Rabbeinu, tous ses livres, tout ce qu'il a écrit, c'est des points de renforcement de Emouna. Et c'est dur pour nous de recevoir ça. Mais Rabbeinu, il dit, si vous allez comprendre mes conseils, si vous allez comprendre, avoir la Emouna dans ce que je vous dis, je vous promets qu'il n'y aura aucun problème. Parce que j'ai découvert, il dit Rabbi Nachman de Breslev, la racine de chaque problème en manque de Emouna. Au moment où tu as la Emouna dans tous les points qu'il faut, il n'y a plus de problème. Plus de problème. Plus de problème. Et c'est ça notre problème à nous. C'est qu'on n'a pas d'Emouna. On n'a pas d'Emouna Bémet. On n'a pas d'Emouna Bémet. Avant-hier, il y a quelqu'un qui est mort en Israël. Un homme très important. C'était un juge en Israël. Et c'était un homme mis à part. C'était un juge, il était très... très chacham, très tzadik. Et il est mort hier. Et cet homme-là, ils ont parlé un petit peu de lui. Ils ont publié la dernière conversation qu'il avait eue à la radio entre Rosh Hashanah et Kippour. Ils lui ont posé certaines questions sur le monde orthodoxe. Comment c'est possible, ouais, dans le monde orthodoxe, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comment vous faites, etc., etc. Et il donne des réponses là-bas, c'est de la folie. Comment on peut avoir une tête aussi droite et fraîche? Il a dit, mais je vois aucun problème de ce que vous me dites. Il a donné une liste de problèmes. Comment on fait avec les enfants qui commencent à tourner mal? Comment on fait avec le iPhone? Comment ça rentre même chez nous? Il y a des problèmes de Shlom Bayit. Maintenant, lui, c'est un juge tous les jours. Hein? Non, un juge. Les autres, ouais. Et lui, c'est un juge qui, toute la journée, il entendait des histoires de fous. Parce que c'est un juge, le mec. Il a dit, mais je comprends pas, je vois pas du tout le problème de la question. Il a dit, mais comment vous voyez pas? Comment on éduque? Il a dit, mais je comprends pas, tout est dans le mot de Modéani Lefanecha, Melechai Vekayam. Cher Zarta Benishmati, quand vous comprenez que chaque soir vous montez en haut et que chaque matin Dieu vous ramène en bas, il n'y a aucun problème qu'on doit se poser. Alors on le dit, et les choses qui se passent, les événements, les enfants qui tournent mal. Alors il a dit, nous on dit chaque matin Elohai Neshama Shenata Tabi Teorai. On dit que notre Neshama elle est pure. Si tu crois vraiment que notre Neshama elle est pure, tu ne peux pas dire sur un enfant qui tourne mal. Pourquoi il prend ce chemin? C'est que Dieu qui le sait. Moi, je dois continuer à être son père. Moi, je dois continuer à être son rave. Je dois continuer. Il n'y a aucun problème. Tout est normal. Moi, j'ai juste un travail à moi de rentrer. C'est de ne pas rentrer dans les comptes de Dieu. C'est mon seul travail. C'est de vivre ma vie comme Dieu le veut. Point barre. Pas rentrer dans les questions et les réponses. Parce que déjà, le fait est que je me suis réveillé ce matin, c'est déjà un cadeau le plus grand au monde. Donc, je dis Modéani Lefanecha. Et quand je dis Modéani Lefanecha, je ne me pose plus de questions. Toute la journée. Et je ne juge personne des gens qui viennent. Je sais que c'est comme ça. C'est des situations où Dieu il t'amène. Et toi, tu dois essayer de faire le mieux bien que tu peux, pas plus que ça. Et il a répondu des réponses de fou. Ça veut dire, aujourd'hui, on ne trouve pas des gens qui réfléchissent, qu'eux, ils n'ont même pas la question. C'est pas qu'ils disent, ils n'ont même pas la question. La question ne se pose même pas. D'où Rabbeinu, il apprend tout ça. Que tout dépend de la Emouna. Tous les manques, c'est des manques dans la Emouna. Tout ce qui te manque dans ton Avodat Hashem, c'est à cause de ta Emouna. Il y a des gens qui croivent qu'ils vont chez des Rabbanim et que les Rabbanim, ils ont la réponse à tout. Alors vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Un jour, le Baal Shem Tov a dit une parole énorme. Il a dit comme ça. Vous voulez savoir pourquoi les Rabbanim, ils savent tout, ceux qui savent. Il dit, en vérité, le Rav, il connaît rien. Il connaît rien. Il a beau te dire, fais comme ça, ici, là-bas, ils savent rien. Il dit, le Baal Shem Tov, mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur en face qui a demandé la question, puisque lui, il est tam, il a de la Emouna, il est proche de Dieu. Alors lui, il ne sait pas, il ne comprend pas, il est simple. Alors il vient poser la question à Kadosh Baruch Hu, il a tellement de pitié pour ceux qui va lui donner la réponse à son Rav. Pour que lui fasse le bon chemin. Mais en vérité, quand on passe directement devant Kadosh Baruch Hu, ça se finit chez Kadosh Baruch Hu encore mieux.
Alors Rabbi Nachman, il dit, tous les manques de Emouna, tous les manques qu'il y a dans le monde, et Rabbeinu l'appelle ça une exil. Vous savez ce que c'est une exil? C'est quoi un problème? Un problème au début, c'est un problème. C'est quoi un problème? Ça veut dire tu peux l'enlever, tu crois que tu peux l'enlever. Quand le problème il devient longtemps, ça ne devient plus un problème. C'est une exil. C'est-à-dire quoi? Tu dis bon, je vais vivre avec. Ouais. Et là, c'est très grave. C'est ce qu'on a fait tous, nous, avec notre sort. Comment c'est possible que je peux voir quelque chose qui est interdit? De penser des choses qui sont interdites? De me laisser aller dans des situations qui sont contre la Torah? Comment c'est possible? Au début, c'était difficile pour nous de le faire. Même tout celui qui a grandi dans des maisons même loin, c'est dur de faire quelque chose de mal. Mais quelque part, on a été revenu et revenu et revenu dedans. Alors, on a dit, on a choisi de, que ça soit notre vie. Ça s'appelle une galoute. Donc, Rabbeinu, il parle ici pas d'un problème, Stam. Il parle d'une galoute. C'est quoi une galoute? On parle d'un problème que tu as accepté que ça devienne ta vie. T'imagines jusqu'à où ça va? C'est très grave, ça. C'est tout l'inverse de ce que Rabbeinu nous a appris. De ne jamais être ancien. De toujours être un homme nouveau. Rabbeinu dit que Moshe Katouf, comme c'est écrit, Tavoi, Tachori, Mirosh, Amana. Dans le prophète, ça c'est écrit dans Shir HaShirim, Shlomo HaMelech. Dans Shir HaShirim, Tavoi, Tachori, Mirosh, Amana. Ça veut dire quoi? C'est Shlomo HaMelech qui il explique comment ça va se passer à la fin du temps. À la fin du temps, hein, en Eretz Israël, autour d'Eretz Israël, il y a une charcherette, une chaîne de montagne qui s'appelle Amana. Alors il y a écrit qu'à la fin des temps, tout le monde va venir par Amana. C'est où ça, Amana? C'est la Jordanie, non? C'est la Jordanie, tout ça. Hein? Amana, c'est Amana. 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 Ouais. Alors normalement, Amana, c'est dans le sud. Oui ou pas? C'est dans le sud, en Eretz Israël, par derrière. Comme par hasard, Rashi dit le nord. Ça peut être Amman. Non. Maintenant, Tavoi, Tachori, Mirosh, Amana, il dit Rabbeinu, je veux faire un jeu de mots. C'est quoi le jeu de mots? Il dit, ne dis pas Amana, dis Emouna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, un homme, quand tu auras de la Emouna, tu vas revenir en Eretz Israël. Parce que c'est le passage quand on va revenir en Eretz Israël. Donc il dit Rabbeinu, c'est quand qu'on va revenir en Eretz Israël? C'est quand que tu seras plus en galoute? Emouna. Mais pas Emouna des pieds. Roche, Amana, il faut que tu sois rempli d'Emouna jusqu'en haut. Que de la Emouna. Et ne croyez pas que c'est un effort, ne croyez pas que c'est dur. On l'a tous. Il faut juste accepter. Accepter. Accepter de croire, c'est tout. C'est pas un effort. Ça, tu peux pas dire. Baba Salé, il avait la Emouna, moi j'ai pas la Emouna. Tu peux pas dire ça. Tu peux dire sur Shabbat, sur Brit, sur Torah, sur la Chochma, sur la Emouna. Tu peux pas dire, ouais, mais ça c'était Rabbeinu. Ça, tu peux pas. Parce que dans la Emouna, on est tous pareils. Moshe Rabbeinu et Herzl. Tous pareils. On est tous pareils. Dans la Emouna, on est exactement pareil. C'est juste tu choisis ce que tu as envie ou pas, combien tu veux croire ou pas. J'avance, mes amis. Ve'emouna, il dit Rabbeinu, c'est beau tout ça. Alors, c'est quoi la Emouna? Comment on commence par la Emouna? Comment ça commence? Comment on fait pour commencer notre Emouna? Ok, demain, je veux commencer à appliquer quelque chose, parce qu'il faut toujours faire quelque chose. La Emouna, c'est pas juste dans ta tête. Comment tu fais pour appliquer, il dit Rabbeinu? Une introspection sur soi. Ouais, mais une action, pour que ça soit fort. La tfila. La tfila, c'est vraiment la preuve que t'as la Emouna. Parce que c'est quoi la tfila? T'as une certaine possibilité, ouais, de faire quelque chose, mais tu préfères d'abord de parler avec Hachem. À qui tu parles, monsieur? Je parle avec Dieu. Mais où il est, Dieu? Ben, il est partout. Je peux dire quelque chose sur l'essence de l'homme, c'est la tfila? Ouais. Adam. En Milouim, Aleph, Lamed, P. Aleph, tu dis Aleph, ou écrit Aleph, tu fais Aleph, Lamed, P. D, Dalet, c'est Dalet, Lamed, Taf. Et même c'est même. Et si tu prends à l'envers, c'est Mit, Palel. Oui.
Ouais. Razak. Si tu enlèves le mot Adam. C'est l'essence de l'homme. C'est l'essence. Tout l'essence de l'homme. Alors, c'est quoi l'essence de l'homme? Donc, c'est la Emouna, puisque la racine de la Tfila, c'est la Emouna. Donc, mes amis, regardez comment il dit Rabbeinu. Mes amis, c'est dommage, je sais que c'est un peu long, c'est un peu difficile, mais c'est très, très important pour arriver au Khumash. Je suis obligé que vous compreniez ça, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, il y a une échelle, d'accord? C'est important que vous connaissiez l'échelle. Le sommet de tout, c'est la Emouna. Comment on fait pour la Emouna? Comment? Il dit, Rabbeinu, quand tu as un problème, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pries Hachem? Parce que tu as un problème? Non, parce qu'il te manque des mounas. En vérité, c'est ça la vraie raison. Sans que tu le saches, tu le fais. Sans que tu le saches. Quand un homme, Hasbechalam, il est malade, tout le monde commence à prier pour lui. D'où ça vient ce truc-là? On n'a jamais vu dans la Gemara qu'un homme était malade et qu'ils ont commencé à distribuer des Tehillim. On n'a jamais vu un truc pareil. D'où ça vient? C'est la redoute, ça. Oui, mais ça veut dire que c'est quoi ce Inyan de prier? C'est quoi? D'où ça vient ce Inyan? Il dit Rabbeinu, il y a en nous ce qu'on appelle une neshama. Cette neshama crée en nous. On sait, nous, dans notre corps, dans notre neshama, on sait que l'essentiel de tout le problème, c'est le manque d'emouna. Alors, pour créer de la emouna, on va prier. Et notre prière, on la donne à ce malade pour que ce malade se renforce dans la emouna. Et quand il va avoir de la emouna, il sera plus malade. Vous voulez savoir ce qu'il dit Rabbeinu? Rabbeinu, il dit, vous voulez savoir, tout le monde lit des Tehillim quand quelqu'un est malade. Il dit, vous voulez savoir, c'est pas les Tehillim qui guérissent. C'est le malade lui-même qui sait qu'on a fait pour lui les Tehillim. Il se renforce, il a de la Emouna, il devient... C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Quand... Hein? Un pour un bébé. Ah ouais. Non, il n'y a pas de... Oui, c'est ma question, mais il n'y a pas de changement. Comme on fait comme ça, on fait comme ça. Maintenant, pareil, pour, parce que Rabbeinu, il dit ça sur le malade lui-même. Que quand le malade lui-même, il lit des Tehillim, il va se dire, ah, je suis en train de faire quelque chose, ça va me renforcer, c'est ça qui va me guérir. Mais tu t'imagines qu'en fait, la base de la tfila, c'est pour que tu arrives à la Emouna. C'est-à-dire, la tfila, c'est même pas le but. C'est même pas le but, la tfila. La robe. Donc Rabbeinu, il dit, comment on fait pour se renforcer dans la Emouna? Tfila. Maintenant, ça veut dire quoi? Quand j'ai un problème, alors, je comprends qu'il manque de Emouna. Je vais même pas prier, alors. Alors, je dois faire quoi? Je dois me renforcer dans la prière. Mais dans la prière de quoi? Ouais. C'est ça. Shachari. Que mon problème, il va s'arrêter? Ben non, puisque c'est un n'est pas... Non. Un n'est pas lié. Un n'est pas lié avec l'autre, comme la Emouna. C'est que Dieu me fait montrer que je raconte pas ma vie à Hachem. Que je n'épanche pas mon cœur à Dieu. C'est ça que Dieu veut te faire montrer. Tu fais pas encore ton heure. Tant que tu feras pas ton heure, dit Bodé Doute, je vais t'embêter. Là, sache-le. Comme ça, il dit. Et tant que tu vas pas te concentrer dans ta prière, je vais t'embêter. Pas parce que je vais t'embêter, parce que c'est un va avec l'autre. C'est comme si un malade il vient et il dit au docteur, espèce de tueur, espèce de tueur. Le docteur dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Et il dit, je suis toujours malade, je suis venu te voir et je suis toujours malade. Le docteur il dit, mais t'as pas pris les cachets que je t'ai donnés. Prends les cachets que je t'ai donnés, tu vas être en bonne santé. Rabbeinu il dit, Akadosh Baruch Hu. Les gens ils disent, ouais, Akadosh Baruch Hu, il me punit. Mais il te punit pas, Hachem. Tu vas rentrer tes mains dans le feu et tu vas dire, Hachem, il me brûle. Mais je vais te donner un coup de tête. T'as pas le droit de dire comme ça, des choses comme ça. La prière, tu sais pourquoi t'as des problèmes? Parce que c'est toi-même. Quand tu n'as pas prié à Kadosh Baruch Hu, tu dépends pas toi, Hachem. C'est ça qui amène les problèmes. Quand tu dis que la bonne idée, c'est sûr que quand on prie, on ne demande pas à Hachem des gens. Peut-être qu'on a demandé à la bonne idée. L'Avtafka aussi, et l'Avtafka. Pas obligé de demander. Raconter, aussi demander pardon, raconter des rêves, c'est pas que des demandes. C'est pour ça que c'est plus dur. Il faut pas que ça soit que des demandes. Dans les bonnes doutes, pas que ça soit que des demandes. Ce qu'on va faire dans les bonnes doutes, on va pas faire pendant la prière. Pourquoi? C'est pas ce que tu as dit? Non, pas du tout. Quelle prière? Les prières qu'on fait, pas du tout. Bonnes doutes, ça, non, c'est la même chose. Je pars dans les deux cases et je fais pas de différence. C'est la même chose.
Je ne fais pas de différence. Dans la prière Sharif Min Harvit, c'est un peu plus de concentration, de retsinout, comment on dit, de la... du sérieux. Pas ouvrir le téléphone tous les 5 minutes, de regarder, de répondre, de dire Kratchman, en écrivant un WhatsApp, en faisant un slim, un truc, je ne sais pas comment on dit tout ça, et etc. C'est... un snap. Mais qui sont mes amis? D'où il apprend ça, Rabbeinu? Parce qu'il y a un pasouk, Vayi Yadav Emouna. Vetargumo Prishan Bitzlo. On avance. Alors on a commencé par Emouna, Tfila, et là on passe au troisième. Veze Bechinat Nissim Le Maala Meateva. Et dit Rabbi Nachman, quand tu as fait le premier pas vers Hachem, automatiquement Hachem il fera le deuxième pas. Automatiquement, obligatoire. Il dit Rabbeinu, tu fais Tfila. Et ça, c'est un secret que beaucoup de gens ne savent pas. Vous voulez savoir c'est quand que la prière marche, fonctionne tout de suite et qu'elle crée un miracle? Non, je parle de la prière quand tu fais des demandes. Comment quoi? Tout ça, c'est des ségoulottes, c'est énorme. Quand la seule raison pour laquelle tu vas te renforcer dans la prière, c'est pour te renforcer dans la Emouna. Quand tu as un problème et tu dis là, je m'en fous totalement de mon problème, parce que je sais que la racine de mon problème, c'est que je ne suis pas fort en Emouna. Alors Hachem, je vais me renforcer dans la Tfila pour que j'ai une Emouna très forte. Et je ne veux même pas prier pour mon problème parce que de base, le problème n'existe pas. Le vrai problème, c'est moi. Je ne suis pas proche de toi, Hachem. Ce que tu vas dire dans cette prière-là. Rabbeinu, il dit, tout de suite, il y a des nissim. Les ma'ala mi'ateva. Il y a des miracles au-dessus de la nature, il dit Rabbeinu. Au-dessus de la nature. Vous savez ce que c'est au-dessus de la nature? Au moment où tu as un problème et que tu... C'est pas au moment, c'est dans le concept en lui-même. Tu as compris que tu as un problème. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a le niveau bas. C'est quoi le niveau bas? Il va commencer à prier Hachem, Hachem aide-moi dans mon problème, etc. Là, le monsieur, il est bête. Pourquoi il est bête? Non, parce que c'est déjà... Oui, c'est un petit niveau. Là, c'est le monsieur qui l'a... Ça le gratte partout. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met de la pommade partout. Alors ici, ça part, ça revient ici. Ici, ça part, ça revient ici. Ici, ça part, ça vient ici. C'est l'imbécile. Maintenant, l'homme le plus sage, le plus racham, il va chez le docteur, il dit, écoute, c'est ton sang qui est malade, fais une prise de sang, on va t'arranger. Il y a le deuxième niveau. C'est quoi le deuxième niveau? Ah, mais ce problème, c'est même pas un vrai problème. C'est quoi ce problème? C'est un symptôme de quelque chose. De quoi? Du manque d'émouna que j'ai envers Hachem. Alors, il faut complètement que je commence à me renforcer dans la tfila, parce que tfila est émouna. Mais tfila dans quoi? Pas dans ton problème, parce que c'est pas ça l'essentiel du problème. Tfila, c'est toi avec Hachem. Raconte à Hachem ta vie. En français ou tu dis quoi? Parce que, oui, ben voilà, je sais pas ce que vous voulez. Non, mais non, ça, la tfila, c'est les tfilines. Mais ça peut être aussi ça. Dis-moi. Non, mais aussi. Mais ça peut être ça aussi. Alors, non, mais sois sérieux dans ta tfila. Viens à l'heure, sors à l'heure. Ne bâcle pas. Réponds comme il faut. Ne regarde pas à droite, à gauche. Laisse ton. C'est des choses simples. Des choses très simples de répondre Baruch Hu Baruch Shemo Amen. Vous savez qu'il y a une halakha qui est très simple. Si tu ne sais pas à quel bracha tu réponds Amen, c'est un vrai problème. Ça s'appelle un Amen Yetoma. Alors juste de se renforcer de quand tu dis Amen et Baruch Hu Baruch Shemo, juste d'entendre quel bracha il est dans l'Amida quand il fait la Hazara. Parce que nous dans la Hazara, arrange-moi, amen. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors de se renforcer dans la prière, tu renforces ta Emouna. Troisième niveau, il dit Rabbeinu, quand tu fais ça, nissim lema ala meateva. Des miracles au-dessus de la nature. Alors il y a miracle, c'est quoi miracle? C'est un truc qui se passe, tu dis c'est de la folie, mais ça reste dans la nature. D'accord? Ça veut dire quoi? On peut jamais croire que c'est... Non, ça veut dire que tu as eu un vrai problème, d'accord? Un vrai problème. Et il y a eu un miracle. Un monsieur est venu, il t'a rangé toute la maison qu'il fallait.
Oh là, c'est quoi ce miracle? T'es venu entendre? Mais il y a un Nissim, les malins, mais il y a encore plus fort que ça. Que ça devient encore plus haut. C'est au-dessus de la nature. Je préfère pas le dire parce qu'après vous allez pas y croire. Mais c'est au-dessus de la nature. Voilà. Va, vas-y. Fantasme, mon frère. Fantasme le plus que tu peux. C'est là où on parle d'Aïmouna. Akadosh Baruch Hu, il peut t'ouvrir la mer que pour toi. Tout. Nissim, les malins, mais Ateva. Quand tu pries, ta prière pour te renforcer dans l'Aïmouna en jetant tout ce monde. Nissim le Maala Me'ateva. Il dit Rabbi Nachman, Nissim le Maala Me'ateva, qui a Tfila le Maala Me'ateva, qui a Teva Mechayevken. Il explique très simple, Rabbi. Il dit, c'est quoi la nature? La nature, c'est qu'il y a une obligation. L'eau éteint le feu. Nachon, c'est une obligation de la nature. Maintenant, il dit Rabbi, Tfila égale nature très. La Tfila est venue pour que tu puisses pousser la nature. En disant, le feu ne brûle pas l'eau. L'eau n'éteint pas le feu. Un jour, la fille de Rabbi Chanina ben Dosa rentre chez Rabbi Chanina ben Dosa et dit, bonjour papa, il nous manque de l'huile pour allumer les bougies de Shabbat. Alors Rabbi Chanina ben Dosa, il dit, qu'est-ce qu'il y a dans la... Qu'est-ce qu'il y a dans, la... dans le Midbar? Alors il dit, il y a du vinaigre. Alors Rabbi Chanina ben Dosa, il a dit, ok. Celui qui a dit que l'huile consomme le... que la bougie consomme l'huile, il va dire que la bougie consomme le vinaigre. Mets du vinaigre à la place de l'huile. Elle a pris, elle a mis du vinaigre, elle a allumé les nérodes de Shabbat, c'est allumé toute la nuit. C'est un miracle, ça? Ouais. Celui qui dit que c'est un miracle, c'est pas un juif. C'est ça, l'aïmouna. C'est ça, l'union de l'aïmouna. Il n'a pas fait un truc, il a dit quoi? Il a dit, celui qui a dit, pourquoi c'est l'huile? Pour toi, c'est normal que l'huile consomme... comment on dit? Il dit, aidez-moi. Ouais, consomme le feu. Consume. Non, mais c'est l'huile qui consomme le feu ou c'est le feu qui consomme l'huile? Consomme l'huile. Consomme. Ouais, mais... C'est le feu qui consomme l'huile. Le feu, il consomme l'huile. Comment c'est possible que le feu consomme l'huile? C'est normal, ça, pour toi? C'est normal qu'il pleut quand il faut et que ça pousse d'une graine un pastèque? C'est normal pour toi, ça? Tout doit être miracle. C'est normal, malheureusement. Voilà, c'est ça, le manque de Emouna. Quand tu comprends que tout est un miracle, tout avec tout, tu peux tout faire. Tout. Quand tu comprends, nous, aujourd'hui, on croit qu'avec un billet de 500 euros, tu peux te faire une belle soirée. Parce que, voilà. Et bien, moi, je peux te faire montrer qu'avec un petit papier tout vide, sans rien, avec ça aussi, tu peux faire la même soirée encore plus que ça. Mais le problème, c'est que nous, notre cerveau, il s'arrêtait avec le billet de 500. Mais en vérité, celui qui a la Emouna, avec tout ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux dans ce monde. C'est un manque d'Emouna. Parce que pour moi, tout, c'est un miracle. Tout. Et là, mes amis, le dernier échelon de l'échelle, écoutez bien. On a commencé par... Emouna. On a commencé... Tfila. Non. Tfila. Et... Nissim. Nissim. Alors on a Emouna, c'est la base de tout. Tout arrive à cause de la Emouna. Comment on se renforce dans la Emouna? Tfila. Celui qui fait la Tfila pour renforcer la Emouna, il a des Nissim et des Eretz Israël. Waouh! Je veux le faire alors. Comment on fait? Je veux le faire. On attend le problème devant. Alors il dit Rabbeinu, tout ça, ça s'applique que en Eretz Israël. Que en Eretz Israël. Tout ce que tu as dit, ça s'applique qu'en Eretz Israël. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, dans le monde en haut, dans le ciel, il y a un cercle. Et sur ce cercle, il y a quatre points. C'est une roue. Dans les quatre points, il y a écrit Emouna, Tfila, Nissim, Eretz Israël. Il dit Rabbeinu, ça tourne tout le temps. Et il dit Rabbeinu, en vérité, il n'y a pas d'échelle. Tu commences par lequel point que tu veux, quand tu touches un des points, tu peux arriver dans les autres. Chaque point t'emmène à chaque chose. Tu peux commencer par Eretz Israël, Emouna, Tfila, Nissim. Tu peux commencer par Emouna, Tfila, Nissim, Eretz Israël. Tu peux commencer par Tfila, Nissim, Eretz Israël, Emouna. Ça importe. Nulle part par quoi tu commences. Non, mais tu peux pas. Pourquoi? Si tu finis par Israël,
Non. De base, tout ça, ça ne peut pas arriver si t'es pas en Israël. C'est pas vrai. Ouais, donc nous, on commence tous par Israël, en fait. Mais non, tout ça. Alors, c'est pour cela, c'est pour cela que je voudrais. Je ne vais pas rentrer dans ça, mais juste parce qu'on a parlé de ça. Il y a des niveaux de Eretz Israël, même en dehors de Eretz Israël. Même dedans. Même dedans. Tu peux ne pas être dedans et être dedans, t'as dit. Dans ce point-là, non. Pas dans ce point-là. Ah, il y a des niveaux d'Eretz Israël, même en dehors d'Eretz Israël. Tous les kivrés de tzadikim, toutes les tombes des tzadikim en dehors d'Eretz Israël, c'est Eretz Israël. Donc on peut appliquer ça là-bas. Sous le mikveh, c'est aussi compté comme Eretz Israël. Mais c'est moins. Mais Eretz Israël là-bas, mamash, c'est là-bas que ça se passe. D'accord ? Quand on tape des mains aussi dans l'Israël. Exact. Ah, quand tu tapes des mains aussi. Quand tu tapes des mains dans ta prière, quand tu frappes des mains, ça attire le souffle d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'on tape des mains, c'est pour que la prière, elle monte à Eretz Israël. Maintenant qu'on a compris tout ça, je ferme le Likout et Moharan, et on rentre dans la paracha, et là, mes amis, vous allez voir la beauté. Là, vous allez voir la beauté. Non, mais il y a le lieu de Tzadik aussi, où il a fait la... Il a fait le miracle juste avec la Emuna, le fil... Non, ça existe, des nissim. Pour dire que donc, tous les nissim peuvent se faire alors, avec la Emuna. Non, parce que le tzadik lui-même, c'est Eretz Israël. Donc le tzadik, lui, ça s'applique pas. Non, je parle pas pour ça, c'est pas pour la Emuna, c'est tous les miracles juste avec la Emuna, c'est puissant. Ouais. Sans magie ou... Avec la Emuna, tu peux faire tout. Oui, mais quand même, il y a un cycle. Là, tu parles d'un autre truc. La Emuna, on peut faire tout, d'accord. Mais là, on parle d'un truc fort. Là, on parle, mamash, de se renforcer spirituellement dans la Emouna, Tfila, Nissim, Eretz Israël. Tous les problèmes, c'est ça. En fait. Voilà. Alors, écoutez bien, maintenant, mes amis. Je vais lire le Chumash. Vayomer Adonai el Avraham. Lech lecha me'artzecha o mimolatecha o mibet avicha. El haaretz asher areka. Vous êtes tous avec moi, parce que là, si vous ratez ça, on a tout raté. Alors, il faut être... Vayomer Adonai el Avraham. Dieu... Parla à Avraham. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Lech lecha. Va pour toi. Me'artzecha. De ta terre. Mimolatecha. De l'endroit là où tu es né. De ta famille. Ou mibet avicha. Et de la maison de tes parents, de ta famille. Vers où ? El haaretz asher areka. Vers la terre que je te montrerai. Et là, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu ? Je vais te rendre une très grande nation. Là, il n'a pas d'enfant, il a 75 ans. Hein. C'est normal pour vous ? Non. Je vais te bénir avec de l'argent. Et je vais agrandir ton nom. C'est quoi ce truc-là qu'on est en train de dire ? Il est en train de lui faire quoi ? Des brachotes ? Il continue pas ? Pourquoi il a fait que cela ? C'est quoi exactement ce langage ? Il n'aurait pas pu dire tout de suite « Lech lecha » et « L'arrête sa chère areka » Sors de chez toi pour aller là où je dois te... Non. Sors de chez toi, de la maison de tes parents, de ta famille, de l'endroit où tu es né. Et c'est quoi cette paracha là qui... De l'aim, non ? Hein ? De l'aim, non ? Non, là, il lui fait encore plus peur. Sors de chez toi... De la maison où tu es né. Il lui dit, ça va faire une grande nation là, pour les prendre au départ. Hachem ne donne pas des mounas, c'est nous qu'on doit avoir la Emouna. La seule chose qu'Hachem ne donne pas, c'est la Emouna. La Emouna, on l'a déjà, il nous l'a déjà donné la Emouna. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes amis ? Alors, Rashi, il donne des explications. D'accord ? Rashi, il dit, sors de ta terre, il dit Rashi, lech lecha, pars pour toi, il dit, c'est-à-dire quoi pour toi ? Léanatra, létovatra, pour ton bien, pour ton plaisir. Vesham et Esra, les gars, et là-bas, je te ferai de toi un nation. Alors, apparemment, on ne voit pas le Inyan dans tout ça. Alors, d'après la Torah qu'on vient d'étudier, la Torah numéro 7. Avraham Avinu, c'est le premier au monde qui a dévoilé. C'est-à-dire la Emouna. Il lui manquait. Non.
Il avait la tfila, c'est lui qui a créé Shacharit. C'est lui le premier qui a créé la tfila, c'était Shacharit. C'est le premier qui a créé Emouna, tfila, Shacharit, Emouna. Maintenant il est rentré dans le feu, Nissim lemala me'ateva. Et là il lui manquait Eretz Israël. Donc, il n'a pas pu faire Avraham Avinu tout, tant qu'il lui manquait Eretz Israël. Alors Akadosh Baruch Hu, il vient, et il lui dit, Avraham Avinu, monte en Eretz Israël. Avraham Avinu, il dit, mais Hachem, j'ai Emouna, j'ai Tfila, et j'ai Nissim. Pourquoi j'ai besoin d'Eretz Israël? Mais voilà, ça s'est appliqué. La Emouna, la Tfila, ça s'est appliqué. Je n'ai pas besoin d'Eretz Israël. Ouais. J'ai eu des Nissim en dehors d'Eretz Israël. C'est une bonne question ou pas? Il a 75 ans. Elle, elle a 70 ans. Ils ne vont pas marcher à pied d'Irak en Eretz Israël quand même. Avec lui, son bétail, c'est... Alors, et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, c'est un ridouche énorme. Il a dit, tout ce que tu as fait ici, c'est comme si. C'est pas le Hémet. C'est pas le Hémet. Et il dit, la preuve, la vraie Emouna, c'est qu'en Eretz Israël. La vraie Tfila, c'est qu'en Eretz Israël. Et les vrais Nissim, c'est qu'en Eretz Israël. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est beau, c'est bien, ça existe. Je t'ai sauvé du feu, tu t'imagines le feu? C'est quand même quelque chose. Mais il te manque des choses. Tu veux que je te fasse montrer le vrai Avodat Hashem? C'est que tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, tu bases zéro. Tu pars comme un gavabon, un vagabond. Tu vas en Eretz Israël avec ta femme, avec tes valises. Et là-bas, tu vas recommencer depuis le début. Il a dit pas de problème. Il a tout, il a l'Emouna, il a la Tfila. Mais tu restes il a les... Il a dit pas de problème, Abraham. L'Ech Lecha. Il a dit pas de problème. Rabbeinu, il a aidé, ça lui a suffi après pour repartir et d'avoir... Rabbeinu, c'était Eretz Israël lui-même. Il a dit mes fourrages. Il a dit que quand il est venu, ça lui a tout changé. Ah ouais, ben vadaï, mais vadaï. Alors, mais qui sont mes amis, qu'est-ce qui se passe? Avraham Avinu, il vient en Eretz Israël. On lui prend sa femme. Et là, il a besoin de Emouna. La femme, on dit, c'est la Tfila. Torah Tfila, Torah c'est l'homme Tfila. Là, Hachem, il lui donne le remez. Fais la Tfila, commence à prier. C'est tout de suite où Avraham Avinu, il institue Shacharit. De nouveau, pour que ça soit pour tout l'homme Israël. Emouna Tfila. Qu'est-ce qui s'est passé? Nissim. Il y a eu des Nissim, les Malamé Ateva. Il vient le roi Avimelech. Et au lieu, Elimelech. Et au lieu de lui dire comment ça se fait, tu m'as dit que c'est ta soeur, etc., etc., il lui donne de l'argent, des richesses. Rachid, il dit, toute la richesse d'Avraham, Yitzhak et Yaakov est venue de Elimelech, au tout début le premier. Il lui a donné là-bas des... Il a écrit des centaines de trucs, des milliers de trucs, des bucs, des... Ma, des ça, il y a eu les Emouna, parce qu'il oui. Ne savait pas qu'il allait lui prendre. Tout, il avait tout avant. Après, il a fait Tfila, après il a fait Emouna parce qu'il l'ont... Ouais, fait. Mais ça c'était avant, ça c'était de Roule. De Hutzlaret. Et quand il a dit c'est ma soeur, c'est un des Non, alors, ça, le Rambam, il dit une bonne grande question. Le Rambam, il dit comme ça, il a écrit comme ça. Imrina achoti at. Je te demande, s'il te plaît, de dire que tu es ma soeur. Et là-bas, il a écrit après quoi? Vechaita nafshi biglalech. Et grâce à ça, je vais mon vivre. Mon âme va vivre. Mon âme va vivre. C'est pas par rapport à ça, non? Non, parce alors, que, pour sauver la vie. Pour sauver vie. Ça, parce que si c'est son mari, ils vont tuer lui pour se marier avec elle. Donc il y a un manque d'Emouna? Non, je non. Pas, c'est non. Non, c'est ça, t'as le droit de sauver ta vie de, pour décor. Non, même plus pour qu'on ait fait. D'après le Ramban, il y a écrit qu'on est descendu 400 ans en Égypte à cause qu'il a dit t'es ma sœur. Ah, dommage, c'est ce qu'il a dit. Donc c'est une avère entre nous. C'est le Ramban qui dit ça. Le Ramban, il dit ça, sur ça. Le Ramban. Sinon, on dit pourquoi il est descendu en Égypte. Parce qu'il a dit. Comme, donne-moi une preuve. C'est quand c'est 400 ans? Comment saurais-je? Comment saurais-je? Attends, c'est quoi c'est 400 ans? Alors attendez, j'ai pas terminé, les gars, on part totalement. 400 ans de quoi? D'Égypte. Il a fait le. En Égypte. Quand il est arrivé. Avant de rentrer en Israël.
de Moshe les quatre jours. Les corbanotes. Si, ceux-là, c'est parce que. Non, tous les gens, ils ont vu. C'est 40 ans. Non, avant. Avant. Depuis Yosef HaTzedik. Non, ça, c'est les 40 ans dans le désert. J'avance, les amis. Imrina Achotiat. Dis que c'est ma sœur. Dans la Gemara, dans le Zohar Akadosh, il y a ce qu'on appelle un niveau de Achoti, ma sœur. Ma sœur, c'est un niveau dans la sainteté qui est très élevé. Parce que d'un côté, c'est une femelle. T'es un homme, donc il y a un lien. Mais d'un autre côté, ce lien, c'est un lien qui est tellement fort que t'as pas besoin d'être ensemble pour s'aimer. Tu comprends ? Il y a un lien de maman, de sœur, de femme, c'est des liens qui sont très forts. Alors, Imrina Achotiat. Imrina, dis s'il te plaît. Na, c'est combien ? 51. C'est les 51 jours de Elul jusqu'à Shmini Atzeret. Pendant ces 51 jours-là, dis Achoti. Dis Hachem, Hachem, considère-moi comme ta sœur. Que tu peux pas, c'est un lien que tu peux pas faire. Tu peux pas divorcer ta femme. Ta femme, tu peux divorcer. Ta sœur, tu peux pas. Donc si tu dis ça, Vechaita Nafshi Bigaler, je vais vivre grâce à ça toute l'année. Donc en fait, là, il lui a appris à de prier parce que c'est à Rosh Hashanah qu'elle a été prise. Bah oui, c'est à Rosh Hashanah qu'elle a été prise, Sarah. Donc c'est à Rosh Hashanah, il a dit Imrina Achotia, dis Achotia Hachem. Il lui a appris à prier à Hachem, à Sarah, parce que sans la prière, tu pourras pas t'en sortir. Parce que là, c'est pas moi qui vais être. C'est moi et toi. Moi et toi, on va passer dans la Emouna, on va passer dans la Tfila, on va passer dans la Nissim et dans Eretz Israël. Alors écoutez comment c'est écrit. Alors il y a écrit Lech lecha me'artzecha umi molatecha umi bet avicha el aretz ve'esra legoy gadol. Alors d'abord il y a écrit quoi? Ve'esra legoy gadol. Je te ferai une des brachot que Hachem lui a béni, c'est quoi? Si tu sors de chez toi, je vais te faire des enfants. Rabbeinu il dit, comment on dit des enfants en hébreu? Banim. Banim, c'est la numérologie de Emouna. Donc on a le premier dans le texte. Quand Hachem il a dit je vais faire de toi une grande descendance, il lui a fait un remez, tu devras faire la Emouna. Parce que Emouna, Gimatria Banim. Après il lui a dit Ve avarchecha, je vais te bénir. Rashi il dit c'est quoi je vais te bénir? Dans l'argent. Il y a écrit que l'argent, c'est quoi? Non. L'argent, mes amis, Ve avarchecha bemamon. L'argent, il y a écrit que c'est équivalent à la prière. Pourquoi? Parce que une femme ne peut pas enfanter si elle ne crie pas 70 cris. Le cri, c'est un niveau de prière. Et il y a écrit qu'un homme ne peut pas gagner sa part d'assa s'il ne crie pas 140 cris. Deux fois plus qu'une femme enceinte. La dureté de la parnassa est deux fois plus que quand une femme enceinte. Donc on voit que dans l'argent, il y a le simen de crier, c'est-à-dire de prier Hachem. Donc quand il lui a dit « je vais te bénir », en fait, il lui dit « dans cette bénédiction, je te bénis en fait dans la prière ». Et après, il lui a dit « je vais te faire de toi un très grand peuple ». Ça, ça s'appelle les Nissim. Parce que tu as 75 ans, tu ne peux pas avoir un enfant à l'âge de 75 ans. Je vais te faire montrer qu'à l'âge de 75 ans, en Eretz Israël, il va avoir l'énissime. Parce que jusqu'à maintenant, c'était stable. Mais le vrai Ness, c'est ton enfant, c'est ta descendance. En Eretz Israël, là-bas, tu vas découvrir ton enfant. Et c'est là où, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu lui dit, tout celui qui te bénira, il sera béni. Tout celui qui te maudira, il sera maudit. Ça veut dire quoi? Écoutez bien, mes amis. Tout celui qui va te faire descendre de cette compréhension que tout dépend de la Emouna, de Tfila, de Nissim et de Eret Israël, eh bien il va être maudit. Pourquoi il va être maudit? Parce que c'est lui-même qui se met sa malédiction. Parce que d'où vient la malédiction? Manque de Emouna, manque de Tfila, manque de Nissim, manque de Eret Israël. Quand quelqu'un il va te dire, mais oh, si tu ne vas pas au travail, tu ne vas pas gagner d'argent. Mais moi je prie et je vais au travail. Mais t'as pas besoin de prier, c'est pas la prière qui t'amène là. C'est le travail. Plus tu travailles, plus t'as de l'argent. Tout de suite, il y a une malédiction qui se crée. Il faut se renforcer dans la tefila. Rabbeinu, il dévoile. Quand Avraham Avinu, il est rentré en Eretz Israël, en fait, il a été missionné, comment on dit? Il a été éprouvé
Il a été éprouvé. C'est pas qu'il a été éprouvé. Pourquoi il a été éprouvé? Parce que dans le Emet l'Amito, il était en galoute. Ouais. Dans la vraie vérité, il était en exil. Il lui manquait son fils. Il lui manquait la Torah. Il lui manquait Eretz Israël. Il lui manquait. C'est où qu'il s'est vraiment aiguisé? Pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a dit Lech Lecha? Il lui a dit je t'aime tellement Avram. En même temps, il avait tout, hein. Il avait la Torah. Mais il n'avait pas, c'est ça. Mais, c'est ce qu'il lui a dit. Non, c'est ça, tu ne peux pas voir tout tant que tu n'as pas Eretz Israël. C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit mon fils, ça se peut que tu as tout. Ça, c'est ce qu'ils disent les gens qui habitent en Chutz Laretz. Même les tzadikim qui habitent en Chutz Laretz. Eux, ils croient qu'ils ont tout, mais ils n'ont pas tout. Parce qu'il y a une porte qu'ils n'ouvrent pas. C'est la porte Eretz Israël. Et ça fonctionne tout le rond. Quand tu es en Eretz Israël, t'as Emouna, Tfila et Nissim. Tant que t'as pas, et c'est la preuve, parce que tout ce qui s'est passé avec Avraham Avinu au début, il a tout vu Béhémet quand il était en Eretz Israël. Mais vous savez, moi, ce qui m'a intrigué dans ce chidouche, parce que je sais pas pour vous, mais c'est, pour moi, c'est un chidouche qui est exceptionnel, c'est que tu as la possibilité d'être Avraham Avinu, et c'est pas ça que Dieu y veut. Avraham Avinu, il était grand. Il a connu Akadosh Baruch Hu à l'âge de 43 ans. Jusqu'à l'âge de 75 ans, il habitait en Irak. Ouais. Et à l'âge de 75 ans, il était quand même devenu Avraham Avinu. Ouais. Pourquoi tu dis ça? C'est comme ça que c'est écrit. Le Rambam, il dit 43 ans, il a découvert Hachem. À 3 ans, il a cherché. À 43 ans, il a connu. D'accord? Donc à 75 ans, Avraham Avinu, c'était déjà Avraham Avinu. C'est à 75 ans qu'il lui a parlé. Ouais. Donc il était déjà venu à Avraham Avinu. Il connaissait tout, il est rentré dans le feu, etc. Et quand même, c'est pas ça que Dieu veut. Bah oui. Mais tu t'imagines ce que ça veut dire? Non. T'as beau faire des choses de fou, oui, ça veut dire... mais Hachem, il veut que tu sois en Eretz Israël. Parce que c'est en Eretz Israël le vrai. D'étudier la Torah en Chutz Laaretz, mes amis, c'est très facile. C'est très facile. Tu crois que t'étudies, tu crois que tu comprends. Tu crois à tout. T'as un prince. Tu montes en Eretz Israël, tu n'arrives plus à rien faire. Et toute la Torah que tu as appris, tu ne comprends pas ce qui se passe. Rabbi Zeira, il habitait à Babel. Rabbi Zeira faisait partie des plus grands, des tzadikim de Babylone, des mamaches. Il est venu habiter en Eretz Israël. Vous savez ce qu'il a fait la première chose? Il a jeûné 40 jours pour oublier toute la Torah qu'il a appris à Babel. Vous connaissez, vous, un rave comme ça? Il a jeûné 40 jours pour oublier toute sa Torah. Même Rabbeinu, quand il y a eu un stress, ça a tout changé. Rabbeinu, il a fait la même chose. Rabbeinu, pour arriver en Eretz Israël, il est devenu bête, enfant. Il a joué au pistolet avec Napoléon, avec le truc. Il bougeait comme ça, il se maquillait, il bouillait. Il jouait au foot et tout. Mais les niveaux qu'il a eu après devenir en Israël. Parce que pour arriver en Eretz Israël, il faut que tu deviennes tout petit. Il a écrit que la chose la plus dure, c'est quand quelqu'un il est en vagabond, quand il est en... Quand quelqu'un il déménage, c'est très difficile. Et là, ce qu'il lui a demandé Hachem à Avraham, c'est très difficile. C'est soit un vagabond. Et il a commencé par ça. Et quand il est arrivé en Eretz Israël, mes amis, je vais vous apprendre quelque chose que je vous l'ai dit la semaine dernière. Avraham Avinu a découvert quelque chose, quoi? Que c'est très dur de servir Hachem. Il avait des problèmes d'Emouna. Il avait des problèmes de tfila. Il avait des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est le Emet. Et là, il devait se renforcer encore plus. Quand tu fais l'Alia et tu montes en Eretz Israël, tu comprends que tout ce que tu as fait en France, c'était du pipeau dans du pipeau dans du pipeau. C'était du vrai pipeau. C'était pour regarder à droite, à gauche. Le vrai Emet, c'est quand tu viens en Eretz Israël, où ça pique, où les gens, ils sont pas de Savlanout, où personne te supporte et tu supportes personne, où tout est difficile, la mentalité est atroce. Et là-bas, d'être Savlan, Sameach, de chanter, de danser, d'avoir la Emouna, que tout est bien, et de prier. Et vous voyez que petit à petit, ça devient Denissim, les Malam et Ateva, et ça devient Eretz Israël, le Emet. C'est pas, ne croyez pas que de venir en Eretz Israël, d'habiter en Eretz Israël, c'est fini le travail. Le travail commence, comme Avraham Avinu. Le commence à travailler quand il est monté en Eretz Israël. Ça, mes amis, c'est un chidouche. Croyez-moi que c'est un chidouche, ça. Parce que t'as beau faire tout comme il faut, mais quand t'es pas à la place, c'est pas bien. Un jour, mes amis, écoutez l'histoire. Un jour,
Rabbi Nathan marchait avec un élève. Il marche dehors, il marche dehors, il marche dehors. Et il voit un chassid qui priait à midi, Shacharit. Mais il priait d'une ferveur. Et l'élève de Rabbi Nathan, il dit à Rabbi Nathan, regardez, regardez cette belle prière-là, regardez. Il a dit... Il a dit, c'est beau, ça me rappelle un truc. Il dit quoi? Il dit, c'est comme prendre un loulav à Pessah et le faire avec une très grande ferveur de tous les côtés. C'est beau, c'est bien, mais ça fait rien du tout. À l'époque, il y avait des gens qui priaient Bechavana à midi. Bechavana. Et pourquoi? Parce que il y avait des raisons, plein de raisons. Il y en a qui disaient, c'est pour... rentrer dans les dernières prières, pour plein de raisons. Rabbeinu, il a dit que sur ça, ils se sont trompés. Et les gens qui tenaient, ils se levaient très tôt, les gens. Ils allaient au travail, les gens. Mamash, ils allaient au travail. Et après le travail, ils allaient prier Shacharit, mamash. C'est pour ça que Rabbi Nathan, là, il a été sévère sur ce mot-là. Mais c'est quoi que je vous dis? T'as la possibilité d'être un tzaddik, mais quand t'es pas à ta place... C'est comme un loulav, pas pendant Soukhot. C'est comme manger de la matzah avec une préparation. La matzah la plus chère au monde, $300 la matzah. Fais khatzot en faisant le halel, en faisant le truc, etc. $300, mais tu la manges à Hanouka ta matzah. Ça fait quelque chose dans le ciel? Rien du tout. Emunat fila nissim veret Israël. Par contre, quand tu es en Chutz Laretz, quand tu es en dehors de Eretz Israël, mais que tu pries que tu veux monter en Eretz Israël, tu pries que tu veux respirer de l'air d'Eretz Israël. Quand tu fais ta prière de Shacharit Mincha Arvit, tu frappes des mains. Parce que quand on frappe des mains, on attire Eretz Israël. De y aller plein dans des kevers de tzadikim. Frapper des mains en Israël, ça. Hein. Pourquoi? Si. Parce que dans Eretz Israël, il y a 10 niveaux. Il y a Yerushalayim. Après, il y a le. Donc ça te rapproche tout le temps. Ça va de la Emouna. Hein? Ça de la Emouna en plus. Aussi, aussi. Il y a. Donc mes amis, c'est quoi le renforcement qu'on apprend? C'est qu'un homme qui comprend que quand il lui arrive des mauvaises choses, c'est un manque d'émouna. Alors il se renforce dans la tefila. Akadosh Baruch Hu lui fait monter des nissim. Il pourra demander que maintenant ce qui me manque, c'est que Eretz Israël. Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Avraham, avec toutes les prières que tu m'as priées, je ne peux pas te donner d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il te manque Eretz Israël. Et émouna gimatria banim. La vraie émouna, c'est les garçons, c'est en Eretz Israël. Quand tu arriveras en Eretz Israël, là je vais te bénir. Des enfants, de l'argent, de tout ce que tu avais besoin. Tout, je vais te faire montrer le réel. Tu sais, c'est comme un enfant qu'on lui dit que le Coca-Cola, en fait, c'est le boga. Vous vous rappelez du boga, là, le boga arabe? On lui donne du boga et l'enfant, il boit le boga. Et il croit que c'est du Coca-Cola. Et comme ça, il grandit, et il est sûr que c'est le Coca-Cola. Il kiffe le boga. Un jour, il monte en Israël, il voit le super Coca-Cola. Il goûte le Coca-Cola, il dit, mais c'est de la folie, c'est quoi ce goût-là? Mais comment on m'a trompé avec ce boga horrible qui pue? Et il découvre. Maintenant, lui, il ne sait pas. Quand tu es en route, cela arrête. Tu ne comprends pas dans quel taout tu es. C'est que quand tu montes en Eretz Israël, tu dis, mais comment j'ai pu vivre en dehors d'Eretz Israël? Comment? Et c'est ça la force, mes amis. On a la possibilité... Grâce à l'Aïmouna, c'est Avraham Avinu, il a été obligé, même Avraham Avinu, de monter en Israël. C'est pour ça que tous les tzadikim, ils ont fait cet acte d'y aller en Eretz Israël, de repartir, mais au moins d'être en Eretz Israël, mamash. Eretz Israël, tout ce qu'on fait en Eretz Israël, c'est compter fois un million. Un jour, mon père, il avait posé une question à Rabbi Israël. Mon père, à l'époque, en France, il était dans un collège, il avait des trucs, il étudiait, etc. Il avait... plein d'heures d'études, il étudiait beaucoup, il avait fait plein d'études. Et lui, son rêve, c'était de monter en Eretz Israël pour encore plus étudier. Parce qu'en France, il faisait moitié-moitié. Donc son rêve, c'était de monter en Eretz Israël pour que étudier toute la journée. Il arrivait en Eretz Israël, il se retrouvait à travailler toute la journée. Et même ça, ça ne suffisait pas. Quand il essayait d'étudier au début, c'était difficile, il n'arrivait pas, les problèmes, les trucs, mais comment c'est possible? Je suis monté rien que pour ça, et c'est ça que j'arrive pas à faire. Il est venu chez Rabbi Israël, il a posé la question. Rabbi Israël lui a dit, Kan ze emet. Ici, tout ce que tu fais, c'est emet. C'est du vrai.
Le vrai, c'est pas comme le faux. Le faux, des montres faux, tu peux en acheter partout, là où tu veux, tu connais tous les trucs. La vraie, ça prend du temps, jusqu'à que tu l'achètes. C'est comme ça. Le vrai, c'est dur. Le vrai, ça prend du temps. Et vous savez ce qui s'est passé, le plus beau? C'est que petit à petit, les choses ont fait son chemin. Il a compris, il a fait, il s'est renforcé, etc., etc. Et il a eu le mérite, bon, Hachem, d'étudier en Eretz Israël. Mais le plus beau, c'est quand il est reparti en France, pour quelques raisons. Il est reparti, je ne veux pas dire les noms, dans la même yeshiva là où il était. Quand il est rentré, là, il y a eu une explosion totale dans son cerveau. Il n'a pas pu comprendre, il a dit, mais c'est quoi les mecs, mais c'est comme ça que vous étudiez, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais c'est quoi cet arsab? Mais c'est quoi? Mais pourquoi vous étudiez? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il n'a pas compris, il est arrivé, il a dit, comment? J'étais aussi comme ça, mais c'est pas possible. Tout là-bas, c'est, ah, il faut faire, alors on va le faire, ok, bah ok, bah, là on l'a fait, bah, parce qu'il fallait le faire, on l'a fait, alors. Aucune neshama, aucune vitalité, aucune. Eretz Israël, pourquoi Eretz Israël? Pourquoi les Israéliens sont durs? Les Israéliens, ils sont pas durs, mes amis. Ils sont émettes. Toi, tu caches ta personnalité parce que toi, tu veux crier exactement comme Israélien. La seule différence, c'est que toi, tu cries dedans, tu t'enflammes dedans, tu te fais du mal. Lui, il s'endort, lui. Il est émette. Il dit, j'ai pas, dégage, j'ai pas, voilà, j'ai pas, ça. Ah, pardon, excusez-moi, on n'a pas pu aujourd'hui. Peut-être revenez demain, excusez-moi, mille pardons, au revoir. C'est quoi ce truc de tralouette, là, 2 francs 50? C'est des bêtises, c'est la mentalité, c'est une mentalité qui est émette. Comme ça, c'est comme ça. Alors bien sûr, il y a ça, plus... Il n'y a pas de délicatesse, pardon. Il n'y a pas de délicatesse, d'accord. C'est émette. Mais... je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de délicatesse, il faut avoir de la délicatesse. Voilà, mais bon, tu as compris, c'est pas que c'est faux. C'est ça le émette. Toi aussi, tu es comme ça. Un vrai Israélien, c'est ça. Et nous, on est, le vrai juif, il est comme ça. Il est dur. Le vrai juif, il a écrit Am Tcheref. Alors, c'est parce qu'on est dur. Et vous voulez savoir? Si tu prends cet Israélien dans la voie d'Hachem, il devient tzadique. Parce que l'Israélien, quand il veut quelque chose, il inverse le monde entier, il l'obtient à la fin du truc. Lui, tu le mets dans la voie d'Hachem israélien, et il dit, tu sais, c'est fermé le mikvé. Et alors, appelle le mec qui a les clés. Le Français dit, ah bon, bon, on va revenir demain, c'est à quelle heure que ça ouvre? Mais qu'est-ce que tu verras demain? Oui, il est le mec qui a les clés. On l'appelle, il vient. Mais va d'aille. Non, j'ai honte, je peux pas, je sais pas, ça se fait pas. Monsieur le rabbin, je pourrais, s'il vous plaît, poser une petite question. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les tzadikim, ils rentraient dans les toilettes, se cachaient dans les toilettes, pour voir comment leur rave se conduisait dans les toilettes. Ouais, frère. Pire que ça. Les tzadikim rentrent se cacher sous le lit de leur rave. Pour savoir comment être avec sa femme. Vous rigolez, mais c'est Emmet. Parce que c'est Emmet. Alors le rave, il vient, il se met comme ça, et d'un coup, il voit l'élève. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous ici? Après, hein, c'était après, pas avant. Il lui dit, c'est quoi qu'il lui dit? Quatre mots. Torah, I, velilmod anitzarich. La Torah, elle est à toi. Elle n'est pas à toi. Elle est chez toi, elle est chez toi. J'ai besoin de la prendre. Tu dois me la donner. Alors je vais l'obtenir. Et il la obtient. C'est le Emmet. Le Emmet, c'est d'être jusqu'à la fin. Donc mes amis, nous qu'on est en Eretz Israël, on a ce cadeau d'être en Eretz Israël. Le plus dur, on l'a. Ben Emmet, c'est le plus dur, Eretz Israël. De faire l'alia, d'habiter, c'est le plus dur, croyez-moi, Ben Emmet. On dit rester, d'avoir sa parnassa en Eretz Israël, c'est ça le... Tu sais combien de gens doivent voyager, ils doivent revenir, ils doivent aller, ils ont de la famille, ils ont encore des trucs, des problèmes. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai mon docteur en France. C'est-à-dire le mec, quand il est malade, il est obligé de voyager en France, le pauvre. Il y a des gens qui ont encore des comptes bancaires, des trucs, je sais pas, des trucs de fou, mais comment? Le fait est qu'on est là, on est en Eretz Israël, on a la maison, on a nos enfants dans des gannes, etc. Croyez-moi que c'est le plus dur. Le reste, c'est Emouna Tfila, c'est le plus facile. C'est le plus facile, Emouna Tfila. Emouna, tu l'as déjà, Tfila, c'est une histoire de volonté. On a Emouna Tfila, Nissim et Eretz Israël. On a la possibilité de devenir comme Avraham Avinu. Cette paracha de la semaine, mes amis, c'est une ségoula pour la Emouna Tfila, Nissim et Eretz Israël. Pour avoir des Emouna, des Banim aussi. C'est énormément, c'est ça.
Quand on va le comprendre, quand on va l'accepter, quand on va le faire descendre dans notre cœur, on aura tous ces points. Quand on a tous ces points, là, tu es comme Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, il dit, bah, celui-là, tout va commencer de lui. Tu veux pas être comme ça ? On veut pas être comme ça ? Probablement, il n'a pas de la dixième épreuve. C'était la dixième épreuve des cinq. Ça vient d'être l'Emouna, ouais, c'est aussi un... mais ça, c'est une autre histoire. Tout, c'est l'Emouna. Oui, mais a... ça, c'est un autre niveau, parce que... Attends, on dit tout dépend de l'Emouna. Nahon, mais c'est ça. T'achètes des autres. Nahon. Mais avec d'autres, tu peux pas acheter l'Emouna. Exact. Exact. C'est la monnaie de change. L'Emouna, c'est l'argent en hébreu, ouais, ouais. En spiritualité. Ouais, ça peut pas en vrai. Vous avez entendu ça, mes amis ? L'Emouna, c'est l'argent en spiritualité. On adore avoir beaucoup d'argent. Tout ce qu'on fait, c'est pourquoi ? Pour l'argent. Mais pas la voler, ça. Hein ? Pas la voler, ça. Tu veux dire que quoi ? Si j'ai l'aimé de la béton, je m'enrichirai quoi qu'il. Ah non, ne me dis pas ça, parce que c'est tout l'inverse de ce qu'on a étudié. L'argent, c'est zéro. Non, c'est non, mais bien sûr. Faut pas si tu as l'Emouna, t'as pas de problème, t'es à ta place. Oui, voilà. Et c'est comme ça que... Et si tu veux savoir c'est quoi l'Emouna, égal à l'argent aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec l'argent aujourd'hui ? Tu travailles pour l'argent, tu rêves de l'argent, on parle que de l'argent, l'argent te fait baver, l'argent te fait rêver. Tout c'est l'argent aujourd'hui. Tout ce que tu vas faire, c'est l'argent. Tu peux te réveiller tous les soirs à 3h du matin si on te donne un billet de 500 euros. Tu vas le faire. Par contre, Hatsot, non. Comment ça se fait ? Manque d'Emouna. Tout ce que tu fais pour l'argent aujourd'hui, fais-le pour l'Emouna. Attention, des fois... Travaille pour l'Emouna, parle de l'Emouna, fantasme sur l'Emouna. Tout se fait sur l'Emouna. Parce que tout, c'est l'Emouna. Si t'as l'Emouna, c'est la monnaie d'échange, comme il a dit, Teddy. On ne connaît pas la valeur de chaque... On s'en fout, t'as l'Emouna. Tu sais ce que c'est l'Emouna ? C'est fantasme. J'ai dit le mot fantasme. Fantasmer sur l'Emouna, ça veut dire quoi ? De dire Amen. C'est important ou pas important ? Combien important ? Fantasme ! Fantasme ! Dis-moi ! Dis fantasme ! C'est pas comme ça que tu parles d'argent, Jimmy ! Oh ! Fantasme ! C'est des yachts. C'est quoi ? C'est combien ? Du milliard. Combien ? Des milliards. Comme quoi ? C'est du croco. Comme couleur. Le soir, Akadosh, il dit, quand tu dis Amen, tu te transportes dans un autre monde de 70 années de voyage. Tellement il est élevé. Tu rentres dans un autre monde. Ta vie, c'est une autre vie. T'es plus là. T'es plus à Carmélite 9. T'as touché. T'es dans un autre monde. Quand tu dis Amen, t'es dans un autre monde. Béhémet. Je t'ai refait. Si un homme, il fait la plus grande avéra du monde et qu'il répond Amen, Béhémet. Il a enlevé la plus grande avéra du monde. Il a enlevé, mais éjecté. Éjecté, écrasé. Mais en vérité, ça se fait pas, ça. Tu sais pourquoi ? Parce que tu crois pas. Le jour où tu croiras, ça va se faire. Mais le potentiel d'un tout petit Amen, d'une kippa sur tête, c'est un potentiel que toute la crasse que t'as toi, avec ta famille, tes copains, tous les gens qui t'entourent, ça les éjecte complètement. Tu deviens un tzadik gamour comme Moshe Rabbeinu. Mais des fois, tu peux avoir l'Emouna. Comment Moshe Rabbeinu est devenu Moshe Rabbeinu ? Il a changé son... Il avait une destinée, il l'a changé complètement. Il a cru. Non. Il a quitté son... Si je vous le dis, vous n'allez pas me croire. Ah, parce qu'il a porté le mouton. Oui, il a porté le mouton, quoi. C'est qui pour nous, Moshe Rabbeinu ? Le manig, le dirigeant. Le libérateur. C'est le commencement et la fin de tout, Moshe Rabbeinu. Nahon ? C'est le commencement et la fin de tout, Moshe. Il nous a donné la Torah et tout, Moshe, c'est tout. Nahon ? Comment il est devenu Moshe ? Pourquoi Dieu l'a choisi à Moshe ? Parce qu'à la base, il était le roi et qu'il est devenu le berger. Il était berger, mon cher Rabbeinu. Un homme comme tous les autres hommes. Tous les autres hommes. Il avait juste, au début je parle, il avait de l'humilité. De la humble. Il était humble. Mais c'est pas pour ça que... Un jour, il était berger, un jour, un troupeau, un mouton, il s'est pris... parle des Russes de Rose, des ronces de Rose. Et la laine. Donc ça s'est pris et elle était coincée comme ça. Et elle criait. Elle était coincée comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu ? Écoutez bien, mes amis. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu ? Il a sauvé. C'est normal. C'est berger. Mais de quelle manière ?
Il est démêlé tout doucement. Il a parlé là en français. Alors la manière normale, quand ça se passe, c'est de prendre le mouton des deux côtés. Tu le tombes ? Et de le servir. Non, parce que tu perds de l'argent. Donc tu l'enlèves, par force. Moshe Rabbeinu l'a fait autrement. Il a mis les deux bras, il a serré sur son corps, et en serrant sur son corps, il l'a démêlé. Akadosh Baruch Hu le dit, la façon de comment tu as pris, tu l'as pris comme un enfant. Ça sera que toi qui va. Si tu as cette rachmanout, cette miséricorde, tu l'auras aussi pour mon peuple, parce que mon peuple, il est très dur. Et si tu l'as fait comme ça, tu feras comme ça là-bas. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Moshe Rabbeinu est devenu. Midrash. Rashi dit sur la Torah. Rien que pour ça. La façon de comment tu te conduis avec le Ham Israël, c'est de la gentillesse, de l'empathie, de l'amour. C'est tout. C'est tout. Ça, c'était un don qu'il avait. C'est pas un don. Il est né pour être tueur, mon cher Rabbeinu. Voleur et violeur. Il est né le Zainada. Bah, il a transformé. On voit pas dans la belle histoire qu'il y a une transformation. Non, je sais pas comment, mais. Le Zainada, c'est une mauvaise date. Il vient des eaux, comme tu as dit. Non, mais c'est. À l'heure, au moment où il est né, c'est une étoile qui est pas bonne du tout. Et lui, il a tout inversé en bien. Et c'est ça la force. Emunat, Filan, Nissim, Veretzred. Pourquoi vous croyez que Moshe Rabbeinu, il est mort de peine qu'il n'est pas rentré en Eretz-Israël? Ce qui lui manquait. Exact. Emunat, filanissim. Il lui manquait Eretz Israël. Bon, mais c'était lui Eretz Israël. Nahon. Mais quand même, il est mort de peine. Quand même. On comprend pas ça. Ouais, mais en même temps, s'il serait entré, il aurait tout fini. Nahon. Nahon, t'as raison. Donc nous, il nous reste Eretz Israël. Nous, on doit revenir en Eretz Israël. On doit habiter en Eretz Israël. Mais Eretz Israël, c'est pas d'habiter en Eretz Israël, point barre. Rabbeinu, il dit ça, mes amis, et ça, je vais terminer avec ça pour pas trop vous embêter. Dans le Likutei Etzot, il y a écrit « Celui qui monte en Eretz Israël, pas pour la sainteté d'Eretz Israël, il perd tout. » C'est vrai. Il faut monter en Eretz Israël pour une raison. C'est qu'un juif pousse spirituellement que sur le sol de la terre d'Israël. Il y a des arbres, des plantes, que quand tu prends la plante, tu la mets en Russie, elle va mourir, la plante. Elle a besoin de chaleur, de... Eh bien, notre plante à nous, qui s'appelle juif, ne pousse nulle part. On est une plante rare. Que en Eretz Israël, on pousse. Il dit, Rabbeinu, un homme ne peut pas avancer dans le service divin tant que t'es pas en Eretz Israël. Mais c'est émettre la mytho, ça. C'est émettre la mytho. C'est dans les écoutes de ça. Bah écoutez, ça, Eretz Israël. Même si ta cabana de base, c'était pas de venir pour la sainteté. Alors maintenant, tout de suite, c'est ça, Rabbeinu. Parce que chaque pas, tu fais une mitzvah. Donc chaque pas, tu dis maintenant, Hachem, que j'ai appris ça, Ribono Shel Olam, fais en sorte que la vraie volonté que j'ai voulu venir en Eretz Israël, ça soit pour toi. Parce que ici, je veux avancer, je veux me rapprocher, je veux te connaître plus. Donc je vais prier, je vais avoir la Emunat, Fila, je vais voir Denissim, et je suis en Eretz Israël. Et là, on ne peut plus rien te rapprocher. Et tu as Denissim et Alateva. Des gens, ils te racontent des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Kadosh Baruch Hu nous donne la force, avec tout ce qu'on a parlé là, Bezrat Hashem, d'appliquer, de le faire rentrer bien dans notre cœur, de le vivre Behemet, de se renforcer tout le temps dans la Emouna, de toujours prier pour renforcer la Tfila, qu'on puisse voir les Nissim, mais les Malamé Ateva. Et de vivre Behemet Eretz Israël. Behemet, Bezrat Hashem. Chacun peut faire de. Alors, Aberachem Alkol Briotav.